Bonjour la famille, je ne vois pas d'abord les commentaires, je vous laisse juste le temps de vous connecter et vous donnez-moi juste un petit temps de partage, partagez dans tous les groupes, activez votre cloche de notification, invitez vos amis, protégez la vidéo, s'il vous plaît. Excellent. 15 mai. Oui, bonsoir. Diabaté. Ali. Bonsoir. Eh, mon grand frère Black Samouraï, mes respects. Ah, quoi il veut dire? J'espère que tout va bien en Italie là-bas. Via ta position, la famille. Sidi Bilan. Ah, mon frère, bonsoir. Comment tu vas? Et les gens de l'Angleterre, ça va? Voici le problème là-bas, là, tu n'es pas sorti pour parler. Hein. J'espère que tu n'es pas derrière les malfaiteurs, là. D'accord. Bon, je vous soutiens et puis on veut simplement la paix et puis la tranquillité dans toute la sous-région. Nous ne sommes pas les ennemis des autres. Voilà. Bonsoir à toute la famille, bonsoir à toute l'équipe. Mon grand frère Kablakadjia, t'inquiète, on est dessus. Oh. Oh, nous sommes dessus. C'est là maintenant, là, c'est la guerre de la communication. On a un peu calmé les opposants. Maintenant, c'est toute l'Afrique de l'Ouest, là, l'Afrique francophone, l'Afrique, tous ceux qui font les membres de la CEDEAO. Nous sommes les combattants de la paix. Sur toutes les étendues du territoire africain, le continent même. Parce que je pense que la délivrance de l'Afrique viendra de la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que nous, on comprend quoi. Voilà, c'est ce que nous sommes en train d'analyser. On ne peut pas comprendre que si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, on apprécie les bonnes choses. Les autres, on ne comprend pas. Aidez-nous à faire avancer l'Afrique, à faire évoluer l'Afrique. Et tous, ils sont contre le développement, si ce n'est pas des gangsters, contre le développement. Comment on peut haïr même là, le développement? Comment on peut haïr la démocratie? Comment on peut haïr les élections? Comment on peut haïr la paix? Famille, laissez-moi juste le temps de partager et puis je vous reviens. Bonne fête d'Assomption à tous les catholiques du monde, tous les chrétiens du monde. Le 15 mai, aujourd'hui, férié chez moi ici. Et puis en plus, c'est tombé sur mon jour de repos. Donc, ça m'a fait vraiment du bien. Je ne me sens pas bien, donc du coup, je profite à chaque petite pause, me reposer un peu. Merci. Partagez, je compte sur votre partage. Je compte sur vous pour protéger la page, le direct. Vous savez, hier c'était beaucoup attaqué, mais ça ne m'a pas démotivé. Quand on est lancé là, on est dessus, hein. Vision Alassane Ouattara. Comme on dit, je vais vous saluer maintenant. Bonsoir à toute l'équipe. Sanogo, bonsoir à vous aussi. Fanfa Kone, bonsoir à vous aussi. Seydine de Fila, ah, tous mes korobas sont là. Mes respects, mes korobas. Nous, chez nous, il y a le respect de des aînés. Mes respects, toute l'équipe de la communication. Mes respects à vous tous. Vraiment, merci pour votre combat. On nous dit que c'est l'union qui fait la force. C'est ensemble que nous pouvons, monter la pente. Je pense que 1 plus 1, ça donne toujours 2. Donc, chacun devient complément de l'autre. Merci à tous ceux qui font le combat de comment on dit, va donner un peu, tu vas faire. Là, maman est un peu occupée. Vas-y. Va. Je sais faire, maman. D'accord, vas-y. D'accord. Bisous à toi. Famille.
Excellence, mardi à toute la famille. Bonjour, encore bonjour. Je me présente, je me nomme Naza de la famille RHDP. Eh, déjà, attendez, on va parler un peu d'abord. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis votre direct là. Je pense que vous êtes en direct. Je suis en direct, mais je n'ai pas encore fini la présentation. Vous pouvez m'accorder peu de temps. Désolé. Je vous rappelle, là, d'accord? Excusez-moi. Voilà. Donc, parce que je ne peux pas commencer un direct sans saluer mon babaché. Je ne peux pas commencer le direct sans saluer les Ivoiriens. Je ne peux pas commencer le direct sans faire la talakou de mon président. Son travail bien bâti sur la Côte d'Ivoire, on ne peut pas. Parce que nous, chez nous, nous c'est comme un troupeau, on suit, comme on dit, nous sommes à la queue. Il y a toujours le plus fort devant, les nés devant, et puis nous, on les suit. Là, au moins, comme on dit, les jeunes aussi suivront la lignée comme ça. Mais si les enfants veulent sauter d'étape, là, après, là, c'est la zizanie. Après, c'est ce qui crée les coups d'État. À chacun son tour, à chacun son destin, à chacun son temps. On ne va pas précipiter les choses, on ne va pas sauter des étapes. Voilà, c'est ça, on dit la démocratie. Vous laissez l'autre y finir, c'est 5 ans ou c'est 7 ans. Et puis, si son règne ne vous plaît pas, vous allez le déguerpir dans les urnes. C'est comme ça, État de droit. Si on continue comme ça, là, on pourra avoir un continent puissant. Mais continent yoro-yoro comme ça, aujourd'hui, là, le continent, là, ça tient que à quelques pays. L'Afrique, là, tient qu'à quelques pays qui sont bien stables. Mon président, salut à mon Prado, le Nakama des Nakama, le président de tout le temps, président aujourd'hui qui a sa préoccupation, la paix, la sécurité de son territoire, de tous ses ressortissants vivant en Côte d'Ivoire et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Nous voyons tout ce qu'il fait pour les, comme on dit, diaspora France, diaspora Amérique. Aujourd'hui, nous sommes considérés. Aujourd'hui, nous sommes considérés partout dans le monde entier. Quand tu dis Ivoirien, sa tête coûte des diamants. Parce qu'on a un président aujourd'hui qui nous donne ce mérite. Un grand président est égal à des grands enfants. Merci à mon président. Solution ADO, élévation ADO, émergence ADO, développement ADO, sécurité ADO. Aujourd'hui, ADO qui a la une de toutes les actualités africaines. Quand tu allumes ta télé, si tu n'as pas vu le journaliste, s'il ne parle pas d'ADO, c'est que son journal ne va pas marcher. Aujourd'hui, même si un artiste veut chanter, s'il ne met pas ADO, cassette ne va pas marcher. Hein? Donc, on dit merci à notre Prado. Merci, son excellence, bravo à vous et puis nos mille reconnaissances à vous. Vraiment, ADO, pour votre promesse tenue, il nous a tout accompli. Jusqu'à présent, il ne finit pas d'accomplir. Nous-mêmes, là, des fois, on se réveille. Là où on ne s'attend pas, on voit l'émergence qui commence là-bas. Donc, merci mon président, merci à toutes ces forces de l'ordre. Toutes nos forces de l'ordre, les soldats de la paix, les soldats de la protection, nous vous saluons. Nos cadres, toutes les autorités du RHDP. Maman, vas-y. Tu fais miam, 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 miam. C'est en train de chauffer mes oreilles. Vas-y. Vas-y chez papa. D'accord? Mon nounou, tu fermes la porte, s'il te plaît. Attention. Donc, bravo à tous ces Ivoiriens, bravo à toute la Côte d'Ivoire, bravo à toutes nos autorités, les cadres, bravo à notre babaché des babachés.
Babache de Babache. Oui, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait la fierté de l'Afrique. Regardez l'ingénieur sur votre son la nuit. Ici était l'un des endroits les plus pourris au monde. On ne pouvait pas s'arrêter ici. Tout le centre d'Abidjan venait s'installer ici. Mais regardez, on dit prendre l'an du pays, maintenant le pays, ça donne ça. Si les 1025, la Côte d'Ivoire est le seul pays francophone qui est concentré sur son développement. Voilà ça. Regarde, il faut mélanger. Nous sommes à l'ingénieur, ils sont là la nuit. Voilà. Ils sont tous ces côtés, ça circule. Sur les 1025, nous sommes en Afrique de l'Ouest. Aussi la Côte d'Ivoire qui déclare sa beauté. Oui. Oui, quand je vois ces belles images dans mon pays, mon cœur est classé. Regardez, c'est classé. On dit Côte d'Ivoire, voici les carrefours indignés, ils sont aujourd'hui en nouveauté devant tout le monde. Voici le cinquième pont de l'autre côté. On a inauguré ça et puis on circule dessus. On négocie pas avec le développement en Côte d'Ivoire. À tous les pays africains qui tournent dans l'émotion, personne ne viendra construire l'Afrique à notre place. J'ai dit bien personne, oublions ça, personne ne viendra construire l'Afrique à notre place. Prenons l'argent de notre pays, construisons notre pays. Chacun bat pour son pays dans ce monde actuellement. Notre pays est sur le chemin, prenez l'exemple sur nous. Regardez les bus qui transportent les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, regardez. 200 francs seulement, regardez comment c'est magnifique. Comment ça joue? C'est en Côte d'Ivoire. Prenez l'exemple, c'est la Côte d'Ivoire, le pays qui se développe dans tous les domaines. Voilà ça. Orange, blanc, vert, une discipline, travail. Et salut son excellence, monsieur Alassane Ouattara, président Kipa. Il dit pour moi, il est trop rapide. Il faut croire. Et salut Amédé Kouakou, ministre de l'équipement. Et salut monsieur Patrick Hachi, premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Voici le gouvernement le plus rapide d'Afrique. Et salut madame Malika Mourad Kondé, la directrice générale du Côte d'Ivoire Tourisme. Ici, on s'en sort. Il n'y a pas repos, ça travaille trop dans le pays là, vous ne pouvez pas comprendre. Du 1er au 31, 7 jours 17, 24 et 24, ça travaille en Côte d'Ivoire, en dépôt. Voilà, merci à tous ceux qui postent des merveilles de la Côte d'Ivoire. Soyez bénis via votre position, soyez bénis via votre position vraiment. Parce qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens 10 euros. Sont fiers. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays là. Il est plein d'hospitalité. La Côte d'Ivoire c'est mon pays, oh. C'est ma patrie. La Côte d'Ivoire c'est mon esprit. Aïe, c'est le seul pays de ma vie. Si tu le détruis, je serai plus où partir. Aïe, c'est le pays le plus fréquenté, oh. Le plus accusé. Il est plein d'hospitalité. La Côte d'Ivoire c'est mon pays. Voilà. Le 225. Le 225 fait la différence, le 225 fait la part des choses, le 225 a bien compris que c'est que dans le travail qu'on peut faire développer un pays, une nation, c'est que dans le travail qu'on peut se faire respecter partout dans le monde entier, c'est que dans le travail qu'on peut avoir sa liberté vraie, c'est que dans le travail qu'on peut avoir son... l'intégrité et sa souveraineté. C'est pas en insultant et en vilipendant les meilleurs et en comme on dit en insultant ceux qui ont des merveilles à donner à leur population et leur peuple. Donc on dit merci à toute la Côte d'Ivoire, merci à la diaspora, merci, soyez bénis via votre position. Et puis on va commencer. Donc, j'étais là, juste encore dit aux indépendants de se ressaisir, parce que nous allons écouter ce que le Bravouti a dit. Nous suivons Nous suivons les candidats retenu par le RHDP. Et nous serons derrière nos candidats du RHDP, les indépendants qui passent se faire foutre, parce que si on n'est pas patient, on trouble l'équipe. Et tous ceux qui viendront mettre le désordre au sein du RHDP, ils nous verront sur leur chemin. Parce que l'heure n'est plus à l'amusement. Ils liront leur... Voilà, il faut qu'on se respecte dans ce pays. Il faut qu'on se respecte aussi au RHDP. Et puis, il faut qu'on se respecte
encore au nord, parce que là, le désordre total là, c'est au nord ça provient. Sinon, tous les cadres du sud, est, ouest, ils respectent bien la parole du président. Mais c'est nous là, les bébés gâtés, nous pensons que nous sommes au-dessus de tout. Le président a dit, il ne va pas dédier. Il a mis ses candidats du RHDP déjà. Donc, il faut s'aligner derrière ces candidats, battre campagne pour ces candidats aux législatives et aux municipales. On va aller pour élu nos candidats, les maires, les députés, tout ça là. Il faut se faire, depuis hier, je vous dis, on se met en groupe pour aller derrière toutes ces équipes. Il y a quelle affaire de dire, je vais passer à l'indépendance si je ne suis pas accepté. Tu es pressé là, ton heure n'est pas encore arrivée, tu veux quoi? Si tu es pressé là, va créer ton parti. Il y a quelle affaire d'indépendant au sein d'un parti? Allez-y. Et puis, leur suiveur tapis dans l'ombre là. Vous les diables, avocats du diable. Des gens, ils ont un pied dedans, un pied dehors. Le président les avait envoyés. Je comprends pourquoi ils ne faisaient pas le travail du président pour que on déteste le président pour dire non, c'est lui, il ne fait pas bien le travail. C'est comme si, c'est comme ça. Tout ça, oh, prends ça, tu vas là-bas, ça me distrait. Va chez Aputu avec, s'il te plaît. Arrête de faire les bruits, ça perturbe mon direct. On les envoyait. Et puis, on les envoyait, c'était eux les coupeurs de route. Tous ceux qui partent à l'indépendant, là, ce sont les coupeurs, les vrais coupeurs de route. Là. On leur disait, allez-y, hein, les militants ont besoin de vous. Ils coupaient l'argent et puis ils gardaient. Déjà, c'était pour se positionner à l'indépendant. Hein? On vous envoie, si toi, mais tu n'as pas une autre intention, mauvaise intention, là, tu devais aller faire le travail dont on vous a élu. Là. On dit, allez-y vers les militants. Allez-y voir les jeunes. Non, quand on leur donne les enveloppes là, ils coupent la route là, boum! Et puis, ils gardaient ça. Déjà, c'était pour devenir des candidats indépendants. Vous avez l'argent aujourd'hui, vous allez passer à l'étape suivante. N'importe quoi. Et le RHDP, les jeunes, les militants, ne les écoutez pas. Hein. Ils viennent vous dire le contraire de ce qui a été décidé au milieu là-bas. Ah, oh, ils sont contre moi. Ah, oh, c'est eux là, ils sont contre eux tout le temps. Oh, on m'aime pas. Oh, ils ont mis leurs préférés. Oui, leurs préférés, c'est leur chanson. Donc, si tu sais qu'ils ont mis leurs préférés, dois attendre. Ton tour va arriver. C'est tout. Les décisions sont déjà prises. Pourquoi vous, toi, tu veux sauter de chambre en chambre? Voilà. Merci à tout le monde. Si vous ne quittez pas là, je vais me lever, hein. Donne dans tout, s'il te plaît. Vas-y. Bon, famille, j'étais de passage. Et moi-même, là, je suis toujours de passage. Les gens m'envoient aussi. Et puis, je suis de passage. Je suis de passage. J'envoie aussi. Je suis de passage. Donc, nous allons toujours nous remercier. Et puis, comme hier, je disais, on venait aujourd'hui pour des bonnes choses. Des choses sérieuses et puis avancer. Donc, je me promenais aussi. Merci, Président, de ta vidéo aussi reçue. Donc, on nous dit, regardez, nous, chez nous, au Mali, société civile, eux là, ils revendiquent, ils dénoncent que courgettes ou poivrons a augmenté. On n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à mettre les frigos en marche parce qu'il n'y a pas assez d'électricité. Il y a les ordures partout et puis les élèves, on n'arrive pas à aller à l'école. Voici rôle de société civile ou bien société civile qui doit dire « Ah, les enfants, attention, c'est pas dans la médiocrité. » On peut avancer, on peut évoluer. Les enfants, allez-y à l'école, hein? Coup d'état là, c'est pas bon. Maintenant, société civile de Rose, elle est dans un combat noble. Nous sommes pour elle, hein, parce que ce qu'elle est dit là, elle ne se cache pas pour faire les taper d'eau. Elle est dans sa logique et puis elle est dans la vraie,
vision des choses, le rôle d'une vraie société civile. Zoumawa FM, bonsoir. Elle est dans son vrai rôle. Mais famille, nous chez nous en Côte d'Ivoire, la société civile, c'est politique. C'est opposition. C'est contre le développement et puis c'est contre la liberté. Vous allez voir, des gens qui sont financés par l'opposition et aussi ils se prétendent société civile. Vous allez voir. On va écouter un peu parce que nous, on n'aime pas parler dans le vide. Donc, on va passer au troisième sujet qui concerne le discours du président lors de l'inauguration du cinquième pont. Il a dit ça sur le ton de la plaisanterie, hein. Mais nous, là, on ne plaisante pas à ces sujets-là. Quand on cherche notre bouche, là, on trouve. Comment il peut dire que le cinquième pont vaut plusieurs mandats? Ça veut dire quoi? Déjà, il est en train d'achever un mandat anticonstitutionnel. Il parle encore d'autres mandats. Ça, c'est pour nous dire que non seulement il y aura un quatrième mandat et bien plus, si Dieu le lui permet. Mais ça, c'est grave. Et c'est des gens comme ça qui parlent de démocratie. Ils sont contre les coups d'État ici et là. Mais coup d'État, là, c'est coup d'État. On va faire un focus spécial sur cette affaire de Niger, là, pour donner notre avis. Parce que c'est notre droit de donner notre avis sur tout ce qui se passe dans la sous-région qui a un impact sur ce que nous vivons ici. Vous qui êtes démocrate, là, vous prenez des décisions. Est-ce qu'il a consulté le Parlement ou le Sénat avant d'aller s'impliquer dans cette affaire d'intervention militaire au Niger? Non. Donc, il ne peut pas dire qu'il est démocrate. Il est monarque. C'est ça qui est la vérité. Donc, vraiment, cette parole qu'il a dite là, si vous n'avez pas entendu, moi, je reviens dessus pour dire que ce n'est pas normal. Et on sera vigilant. Voilà. Voilà. Famille, quand on vous dit il y a les discours de société civile, vous pensez qu'on s'amuse. Il y a les discours société civile, là, il y a plusieurs modèles. On cherche elle sa bouche, parce que elle, sa bouche, ça, ça peut arranger quoi, ou bien ça peut déranger quoi en Côte d'Ivoire. Vous la reconnaissez, non? Puis le shérif, la perdue de, je sais pas, elle se trompe, se mélange dans tout et n'importe comment. Fan Koïmon, bonsoir à vous aussi. Elle se mélange dans tout et n'importe comment. Elle se mélange les pas. Elle se retrouve deux fois dans problème des militaires. Elle se retrouve deux fois dans problème des prisonniers. Elle se retrouve deux fois. Elle-même, elle parle même plus de vie chère. Elle ne parle même plus d'électricité augmentée. Elle ne parle même plus de la condition de vie des Ivoiriens. Et puis, c'est une dame qui ne s'est pas appréciée. C'est une dame qui a perdu son sens d'amour, d'appréciation, de bonheur, de valeur. Donner le mérite à quelqu'un qui travaille bien. Nous, notre société civile en Côte d'Ivoire, là, c'est les failles. Ça veut dire, elle ne voit pas là où c'est bon. C'est pas le démon, l'incarnation du diable. Ça, venez me dire. Une société civile qui ne dit jamais à l'opposition. L'opposition qui aime dire le 6 va devenir 9. Non, société civile, elle n'a pas d'oreille à entendre ça. Une société civile, une racaille des civils en Côte d'Ivoire, elle n'entend jamais qu'on crée des petites entreprises, la jeunesse, et le temps, l'année de la jeunesse. Elle ne voit pas tout ça. Hein? Une société civile qui n'entend jamais que il y a l'opposition de la Côte d'Ivoire qui veut forcément écrire le nom d'un braqueur de BCAO sur la liste des électorats de force ou de grès.
ça casse ou ça marche. Vous voyez, société civile ivoirienne. Une société civile. Les gens meurent sous l'eau des pluies. Les zones inondées. Les zones à risque. Une société civile n'est jamais plantée là-bas pour mettre sa caméra pour dire « Je viens vous sensibiliser. » La vie ou la mort. La mort à la mort. La vie à la vie. Là, c'est vrai, j'aime pas le gouvernement. Hein. Mais là, vous risquez votre vie. Quittez là, même si c'est au cimetière, vous allez dormir là. Au moins le matin, vous allez vous réveiller en bonne santé. Une société civile qui attend à chaque fois que le président sort quelque chose. Elle est la bouche. D'après elle, on va mettre nos bouches. Toi, tu penses que toi, tu as plus bouche que nous, pour chéri Balé, ancien prisonnier. Papato, perroquet, triquet, pèlerin. Envoyez-la ma vidéo, hein. Elle va écouter. Pour dire racaille comme elle, là, il y en a beaucoup aussi au RHDP. Pont là, fallait déjà sortir pour dire, hé, Baba Eni Congo, merci. Tu fais pousser trop de merveilles en Côte d'Ivoire. Ou bien tu es jalouse aussi des merveilles de la Côte d'Ivoire. Tu es devenue malienne, viens nous dire. Parce que tu as fait un tour au Mali, je ne sais pas si ils t'ont administré leur potion de négativité là. Tu devais sortir pour dire Baba Eni Congo. Grâce à ta vitesse de guépard, nous avons la jalousie. Et l'incarnation de la jalousie partout. Les gens nous jalousent partout. Une société civile devait être fière de ce qui se passe dans son pays. Les villageois qui courent partout pour crier « Victoire !» On va installer lumière d'Ado. Ceux qui ont vu la lumière depuis le temps de tes ancêtres qui étaient au pouvoir là, ils n'ont plus rien fait pour ces villages là. Quand on leur donne de l'eau potable, on leur donne autoroute, comme on dit goudron, on leur donne maternité, on leur offre école pour les enfants, chu pour leurs femmes qui doivent accoucher, au lieu d'accoucher sur moto bicyclette entre la ville et le village là. Lumière, choses, l'eau potable, tout ça là. Pour transporter les matières premières pour aller jusqu'à Abidjan. Mmh. On t'a jamais vu sortir là pour acclamer, hein? Président, merci pour ce que tu as fait. Donc, comme il est venu dire, que ce point-là mérite encore un mandat. Est-ce qu'il a besoin même de te dire ça? Ça à toi, il a parlé? Ça à vous, là-haut, le président Alassane Ouattara va s'adresser? Toi, tu te prends pour qui en Côte d'Ivoire? Viens me dire ça un peu. Toi, tu représentes quelle société civile? Société civile de l'opposition? Société civile pour mettre en mal la paix en Côte d'Ivoire? Toi, tu es quel genre de société civile? Hein? Société civile qui ne sait même pas comment on construit bonne chose. Société civile. T'aimes ça? T'aimes. Excusez, famille. Tu fermes la porte là, s'il te plaît. Arrêtez de me perturber. Pardon. Je vous ai dit, j'étais un peu grippée. Je suis un peu grippée, c'est pas encore parti. Ma Kourani, si c'est. Eh, hey, tout ça, c'est ça, mais on va donner ça un peu. Oui, allô. Oui, allô, bonsoir, frère Naza, RLDP. Bonsoir, mon grand, BCK. Ouais, la fille de Prado. Oui, je suis là. Ouais, que Dieu nous protège tous. Amin, Ayarabi. Ouais. Mes respects ouais. À toi aussi, via ta position. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, moi, je te tue le chapeau. Merci, mon grand. Pour tout ce que vous présentez à face du monde. Mm-hmm. Et à la jeunesse ivoirienne, même à la jeunesse africaine. Oui, merci. Merci, bravo à vous et chapeau. Merci mon grand frère. Merci pour tout ce que vous faites pour le pays, pour l'image du pays et pour l'image du président de la République, ainsi que tous les Ivoiriens. On vous dit merci. Merci et merci. Je vous en prie. Parce qu'en Occident, rien n'est facile. Voilà. Prends son temps pour son pays. Prends son temps. Pour éclairer la jeune génération et les faire réécouter et réentendre
tout ce que les gouverneurs de nos pays disent, mm-hmm. que le président, son excellence, M. Alassane Ouattara, mm-hmm. Papa Kadou, non, je dis, tu vas nous tuer, nous les Ivoiriens. Ah, on est déjà mort, même. Qui est couché dans nos cœurs, comme si jamais. Et nous sommes avec ça. Je vous dis merci et félicitations à tous ceux qui sont sur le direct, sur le live, partagez, mm-hmm. likez, mm-hmm. commentez et protégez mm-hmm. le direct. Mm-hmm. Parce que les fauchoyeurs, les menteurs, mm-hmm. les trompeurs, les truands, les mm-hmm. bandits ne mm-hmm. vont pas nous laisser parler. Et nous, les vrais d'Afrique, nous, les vrais panafricains, mm-hmm. nous qui voulons le développement de l'Afrique, nous qui voulons le développement et le travail, tous les présidents qui travaillent bien, nous le soutenons tous, ainsi que la CEDEAO. CEDEAO, on va s'incliner encore. La règle doit être respectée en Afrique. Oui, ça doit être respecté partout. Chers Africains, je m'adresse à vous avant d'arriver sur pressionner la galeuse. CEDEAO a appliqué l'embargo aussi la Côte d'Ivoire. Tout le monde est témoin. Oui. Parce qu'on était dans cette situation. Mm-hmm. Quand on se trace un chemin, mm-hmm. chacun doit respecter. La Côte d'Ivoire s'est pliée. Mm-hmm. Ça n'a pas tué les Ivoiriens. Mais en même temps, nous on a tiré les leçons dedans. Dans l'embargo qui a été mis sur la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Qu'est-ce qui nous a amené à ça? Il y a eu quel problème? Nous avons réfléchi, nous les Ivoiriens. Et on a trouvé conclusion, c'est la paix. Et c'est ça qu'on va imposer chez nous et éduquer nos frères, la jeune génération, pour comprendre mieux ce qui s'est passé avant. Oui, si on doit se pardonner, c'est sur la base de la vérité et chacun doit se plier à l'arrêt. Oui. Ça, ce n'est pas à négocier parce qu'il s'agit de notre dignité, il s'agit de notre vie, il s'agit de l'avenir des Ivoiriens et l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Personne ne va s'amuser avec ça. Voilà. Et on ne va pas éteindre tous ces déstabilisateurs, tous ces truands, tous ces manipulateurs. Mm-hmm. Nous serons là, matin, midi, soir, pour les désavouer, pour montrer les mensonges en face du monde. Quelle est la vérité là? Ça se trouve de côté de la CEDEAO. La vérité, ça se trouve pour les présidents qui veulent le développement, qui aspirent au développement, mm-hmm. qui prennent soin de leur population, mm-hmm. les protéger. Tout en dit du territoire national, c'est ça qu'on va soutenir. C'est si pour nous ça doit terminer et c'est si ça va rester. Yes. Parce que ce n'est pas négocié. Tiens, par là. Prichari parlait qui parle là. C'est ça. Même en la voyant, tu sais déjà qu'elle est malhonnête. C'est elle qui est sortie ici parce qu'elle a été envoyée par Guillaume Soro, par Laurent Gbagbo, par Harry Kouna Bédié. Père à son âme. Il repose en paix. Puis que tout qu'on fait, c'est un ancien chef d'État. Ce qu'il a fait là. Il a ça devant lui là-bas. La vie, les actes que tu poses en tant que responsable, mais tout le monde va répondre à ce qu'il a dit, à ce qu'il a fait, à ce qu'il a laissé. On a vu, nous les Ivoiriens, ce qu'on a vu. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Quand nos 49 sont partis au Mali, mm-hmm. ils ne sont pas partis au Mali parce que Mali est beau. Non. Ils ne sont pas partis au Mali parce que Mali a l'argent de Côte d'Ivoire. Non. Mm-hmm. C'était pour aller défendre les Africains, les Maliens, tout le monde. Pour ne pas qu'ils puissent tomber dans ce genre de bêtises. Mais qu'est-ce que les Maliens ont fait? Ils ont kidnappé nos 49 avec la complicité de Guillaume Soro. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Chers parents, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Chers parents, c'est quoi ils n'ont pas dit? Si la Côte d'Ivoire, si notre pays, si les Ivoiriens, on nous a traité de tout. Mais la Côte d'Ivoire, Dieu merci, avec l'arrivée du président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, les Ivoiriens se sont calmés. Ça, ça rend compte parce qu'on a un qui bâtisseur, on a un président hors pair, on a un papa qui prend soin de tout le monde. Mm-hmm. Il a dit de ne pas céder à la provocation. C'est la diplomatie qui va régner. Mané à quoi qu'il a quoi de voir? Rien du tout. Ils sont venus, ils ont fait plus visiter les armements. Il y a des avions même qui sont là-bas. Mali, Bamako, ça fait 2 minutes. On ne te dit tout. On dit, il y a des avions là-bas même. Même si tu passes mal de quelqu'un, l'avion va te détruire. C'est des trucs comme ça qui parlent les Maliens. Au 21e siècle, nous ne sommes pas au même level. Chaparral, nous sommes tous africains, certes. Mais moi, je vais vous dire la vérité. C'est pas parce que je suis en train de me moquer. Les mentalités ne sont pas les mêmes. Parce que nous avons des vécu, nous avons des histoires, et on a eu des histoires passées. On sait c'est quoi nos pays a passé des temps, des massacres. On avait vu Article 125, c'était contre qui?
C'était pas contre les Maliens, pour les Burkinabés, les étrangers. Mm-hmm. On ne s'est pas mis entre eux. Mm-hmm. Nos frères ne sont pas morts beaucoup. Mes chers parents, qu'est-ce qu'on veut après? Qu'est-ce qu'on veut après? Mm. Donc, vraiment, pour eux, on comprend. Seulement que c'est la haine. Seulement que Dieu nous a donné un président. Qu'ils ont souhaité que ça quitte ses yeux, mais ce n'est pas quitter ses yeux. C'est pourquoi ils ont toutes les nationalités à donner à nos présidents. Mais vous avez vos problèmes. Il y a des fils qui se lèvent. Les familles sont en déri. Tous les jours, c'était mort. Chers parents, même la semaine passée, il y a eu des massacres au Mali. Mais les humains activistes qui sont en train de faire à la cour de ces soldats, les 600 colonels, pas jamais de ça. Où est la dignité de Mali? Chers parents, chers Africains, c'est avec vous qu'on parle. Si vous parlez cela, il faut être franc et juste, il dit la vérité. Ça peut choquer de... Je n'ai rien à foutre à celui que ça va choquer, mais c'est ma vérité, j'ai dit. Ouais. Si c'est pas vrai, je me dis le contraire. Vraiment. C'est ça. C'est ça. Si je me dis le contraire, au lieu d'inciter, s'il y en a, non, 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 ça va rien servir. Il est temps qu'on se parle, parce que c'est de nos destins que ces gens voyous essayent de diriger. Mais nous, les Ivoiriens, nous, on dit Dieu merci chez nous. Là, nos pays est beau. Le président fait des miracles. Et regarde, il nous a promis. Pendant la campagne, avant d'être président là, tout ce qu'il nous a dit, chers parents, il a fait tout. Il y a des choses qu'il ne nous avait même pas dit, il est en train de les faire. Tellement il a dit ça. Quand le président Alassane Ouattara, son excellent monsieur Alassane Ouattara, venait au pouvoir, il nous a jamais dit dans son programme de société, son programme de gouvernement, qu'il allait lancer satellite. Mais chers parents, je ne vois rien. Il y a satellite, on a tout, mais on n'a pas lancé. Se lève un matin comme ça pour lancer son pays. Si on n'a pas la carabasse, si on n'a pas les capacités, si on n'a pas les forces et la connaissance, en même temps, être ouvert à le monde, est-ce qu'on peut le faire? C'est pas possible. Papa Ado. Merci. Papa Ado, nous on va te dire la vérité. Hein. Voilà, nous les Ivoiriens là. Il va parler au nom de tous les Ivoiriens ce soir. Fais-moi confiance, je ne vais pas déraper. Mais il faut qu'on dise la vérité à papa. Hein. Parce que souvent là, il faut qu'on ait un faux patin souvent. C'est qui va nous mettre en parable là? C'est le jour où il va dire qu'il va quitter au pouvoir là. C'est là qu'il va connaître nos vrais visages. C'est pas pour lui montrer que nous là, on ne prend pas pour laisser. Nous quand on prend, on s'en va avec ça toujours. Quand Pichéry Balé dit, quand le président dit, le pont, c'est Pichéry Balé, on va t'éclaircir pour enlever toutes les salités. Toi tu parles de mandat, toi tu parles de autre mandat, il ne bouge pas. Attends, bougez. Attends, attends. Vous avez quoi? En tout cas, vous êtes au pouvoir, vous avez massacré la population, vous avez détruit le pays. Ton manteau que tu suis, les hommes sont là, c'est des tuyères à la gare. Depuis l'arrivée du président de la République, il n'y a pas moi en Côte d'Ivoire. Tout le monde travaille. On doit être encore au rond. Mm-hmm. Tant qu'ils ont rompu, à un moment donné, ils ont commencé à rêver partout. On a rêvé tant, on a rêvé tant. Quand on ne doit pas, on peut rêver. Voilà. On ne peut pas rêver. C'est quand on doit bien. C'est quand on s'oublie qu'on rêve. Regarde, on n'a pas bizarre dans le pays là. On a vu. Il n'y a rien de la jalousie. Ils ont tout dit sur le président. S'il venait au pouvoir, il allait casser les mosquées, il allait casser les églises, il allait faire disparaître la carte. Qui l'a venu là? Son bonjour d'abord là. C'est quoi de voir saut dans le carton? Papa Ado. C'est toi qu'il faut, à la place qu'il faut. Et toi, avec toi, papa Ado. Abdelatoté. Pichéry Balé. Pour te dire la vérité, papa Ado ne va pas bouger. Pour là, c'est petit. Ce qu'il y a à donner à la Ivoirienne. C'est le résultat à travers qui nous impressionne. C'est ça qui va faire un président. Ton résultat. C'est avec son résultat, on ne va pas pour le juger. Mm-hmm. Pour un petit, papa Ado dit, chaque Ivoirien doit avoir un jet privé bientôt. Parce que si on met ses mains au travail, si on devient pays développé, on sera intelligent, on va rentrer dans la technologie, et on va créer tout. Et non, c'est ça, développer. On ne développe pas avec des fourriers. On ne développe pas avec des prisonniers en bilan. Mm-hmm. Tantôt c'est la haine. Santo en 92, c'est la prison. Non, on ne veut pas ça du tout. Voilà. Merci. Ado, papa Ado, vraiment, on vous dit merci. Les Pichéry Balé n'ont rien à dire. C'est des bandes des escrocs qui disent, vous avez vos mots à dire. Président n'a pas interdit quelqu'un. C'est pourquoi tous les assassins, les bandits, les voyous, vous trouvez au pays. Vous parlez de n'importe quoi. C'est le papa Ado seul qui donne la libre expression. Tant les babos, on a vu ça. Santo décrété zone rouge. On fait 300 morts. Mm-hmm. Parlez-vous. Il y a des Ivoiriens qui sont morts. Mais papa Ado protège tout le monde. Pichéry Balé, il faut parler. Mais nous, les Ivoiriens, nous, on dit, papa Ado ne bouge pas. Voilà, c'est là, il y a parole là. Ce que vous pouvez faire, faites en voix. Arrêtez d'embrouiller les gens. Merci. Vous êtes tous sauf des civils qui est un partisan de Clem Soro,
C'est toi qui as dit à nos 49 ici qu'ils étaient meurtres. Vous, Richard vous, que vous, pas vous, Laurent Gbagbo, vous, Simone Gbagbo, vous ne pouvez pas parler. L'armée n'est pas là pour vous. L'armée n'est pas là pour manger riz gras, n'est pas là pour manger poulet rôti. L'armée est là pour montrer sa compétence. C'est dans ça que la Côte d'Ivoire a été libérée. Ce qui nous a libérés en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils ont été, ils ont l'expérience, ils sont laissés battre à Centrafrique et ils sont revenus flanqués. Dieu merci aujourd'hui, nous sommes fiers et libérés. Nous prions Dieu, que Dieu, que leur âme repose en paix. Tous les barrages qu'ils ont laissés, là où ils ont laissé là, nous on ne va pas laisser. On est ensemble, la pays là. Bientôt, et d'ailleurs même là. Mettez les cœurs à protéger les tickets. C'est comme ça. Mm-hmm. Ça va se passer devant nous tous. Mm-hmm. Et chers parents, ne soyez pas choqués de la vidéo des étudiants qui ont chanté la gloire des Mbadi. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer? Qu'est-ce qu'on pourrait attendre? Puisqu'à un moment donné, Gbagbo a montré aux gens que l'école ivoirienne ne doit pas étudier, il ne doit pas devenir intelligent, il doit être politicien. Crier, 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 sans avenir. Bon, c'est avec ces gens des résultats, c'est quoi qui nous étonne? Il n'y a rien qui nous étonne. Vraiment. Mais tous ceux qui sont dans l'esprit, papa, ado, allez là, tout, et toutes les familles travaillent. Côte d'Ivoire là. Si tu dis à pas travailler, c'est que tu es lâche de ta famille, tu es pour rien, c'est que tu vas jamais t'en sortir. Parce que tous les moyens sont dégagés pour que les jeunes puissent se retrouver. Mm-hmm. C'est pourquoi il y a un programme de 1 milliard par jour. On n'a jamais vu ça au monde. Mm-hmm. Qui peut dire le contraire? Quel président a fait ça en 2023? C'est mm-hmm. Papa Ado Sol. 1 milliard par jour, 365 jours. Et si tu ne comptes pas dans le monde, si tu ne vaux pas dans le monde, si tu n'es pas capable, tu ne peux pas faire ça. Voilà. Qui dit mieux? C'est de ça qu'on parle. Modèle Poutine, là, ça ne nous intéresse pas. Et chez nous, ça ne va pas prospérer. Parce que nous voulons le développement et nous allons soutenir le président de la République. Avec transformation. Parce que lui, dit pas si je suis, c'est vous la jeunesse qui agit. Non. Lui, la voix travaille, nous, on travaille pour manger. C'est de l'autre côté là-bas, on dit si je suis, la jeunesse a échoué. C'est un bac de pour rien, un bac de tchadis qui doit protéger le peuple, qui a fait le front pour venir chasser le président et l'assassiner, et même son ministre, pour s'asseoir au pouvoir. Voilà. Conclusion, c'est les villes qui se lèvent, c'est les populations qui sont tuées, et ils n'ont que les deux yeux pour pleurer, parce que dans les premières heures, ils ont crié, Assimé Amiko, Amé Saïko, ils vous ont réglé avec les jetons, mais voilà ça aujourd'hui, vous êtes pris dans vos propres pièges, vous ne pouvez pas crier, qui parle un, on veut boire du kuna. Ah, mais quand on a l'eau, 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 on a frontière tatou, on a frontière corsi, on a la burkana, on a l'eau, on a l'eau, parce que problème de kadaye, il n'y a à la chasse de la noix, on a dérigé, on a l'eau, on a l'eau, on a l'eau, on a l'eau, on a Alors quoi, ma côté à la cour là, à ma côté ivoirien là, à ma côté président là, je veux dire à ma côté là, parce que président là a dit, allez à boire une courante. Voilà. Par où tu as bizarre dit Francima. Francima, il est là, dans la mine au lieu. N'est-ce pas, dans la mine au lieu, parce qu'à bon moment, on est le bro. Avec foyer au courant, paquet, paquet, on est tapis. Ah, c'est bon, nous, non. Voilà. Merci beaucoup. Alors, voilà, ma chère faux. Kanya président faux. Avant Kanya président Tchafa. Parce que nous, nous avons un problème là, nous ne pouvons pas faire ça. Parce que nous avons un problème, nous président de la Jamana de France. C'est nous là. Nous avons un problème, nous avons un problème. 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 Avec ce qu'on a dit, parce que Adam Massacre est du Makala Malla. Amenez la Malla, qui a essayé de Mali, donc bon, voilà. Au bon, Pella, au bon, il fait. Ah, moi, vous le voyez, tu as fait, amène la flé. Là, c'est Kadou Benamadi, Anna Poucher Roulé, Anna Yamemato, Anna Adjadissou, Aïe Bouamouna, annoté au modèle fait. Papa a dit, allez, Bragi, si il y a la Dima, Saraja à la Dima, Porta à la Dima, à la Ivoirion, deux ou paix, m'a bon, à la Légamana.
Sutra. Sutra prifani Allah Abdanga. Mon Mahdouala. Allah est à côté de quoi n'y a les Dari. Allah le Bedou Jabi. Allez Amoubi Dari. Mon Mobe Jamana Douala. Mon Mobe Président Tochena. Kadivoua Toche. Nama Fankola. Name Numankoloye. O Bomba Fesh. Mon Mobe Jamana Douala. 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 Mon Mobe Jamana Allah Sutra. Merci beaucoup, Sérna. Merci. Je dis merci à tous les followers. Aïe, partagez. Je vous dis merci. À la prochaine, Inch'Allah. Bonne soirée. Que Dieu nous protège et nous bénisse. Merci à mon grand frère, B58. Que Dieu te bénisse vraiment. On voit l'amour pour la Côte d'Ivoire vraiment se manifester en toi. Vraiment, quand tu es sur le direct, moi-même, je sens l'énergie et puis le volcan qui se manifeste en toi. Que Dieu te bénisse. Et il y a plusieurs Ivoiriens, plusieurs Africains qui sont dans cette logique libérée. Que l'Afrique soit, redevienne. Il y a une terre de... Ah, il y a une autre personne. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Bon. Et là, Pichéry Balé qui dit, elle accuse le président et elle traite le président de Mornac parce que elle n'a pas saisi le, parce qu'il n'a pas saisi le Parlement. Bon, famille, comme je le dis, on dit l'article 104, la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. En cas de désacte et désaccord entre les deux chambres, la décision appartient à l'Assemblée nationale. Et nous savons très bien que les décisions ne peuvent jamais être prises par le président sans que ça ne passe au Parlement. C'est ça. Déjà, quand on dit la CEDEAO, c'est un organisme où tous les pays doivent donner des soldats. Voilà, on donne les soldats à qui veut l'entendre. On nous dit... l'intervention au Niger demandée par la CEDEAO au Niger n'est pas une déclaration de guerre. Donc, si la Côte d'Ivoire envoie un cortège militaire pour soutenir la CEDEAO, ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire va faire la guerre contre le Niger. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire envoie un cortège militaire pour soutenir les actions de la CEDEAO. Exemple, au Mali, la Côte d'Ivoire a envoyé des militaires sans passer par le Parlement parce que ce n'est pas une déclaration de guerre. Voilà. Si vous êtes dans un organisme, déjà la CEDEAO, comme vous le prétendez, parce qu'il y a des gens, on dit la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a été créée par les chefs de l'État, des États de la des gouvernements de 15 pays africains de l'Ouest lors de la signature le 6 mai 1975 à Lagos au Nigeria du traité de la CEDEAO. Donc ça veut dire c'est une organisation. Ils sont ensemble dans la paix et dans le malheur. Si l'autre pays, par exemple, ils ont toujours dit il faut élu. Pourquoi les gens font les accords? Pourquoi les gens font les organismes? Ils s'organisent, ils mettent, ils font un bouclier. C'est comme l'Union européenne. Regardez comment ils sont forts. Quand un pays a un petit bobo, les autres ils partent faire leur comme on dit. Là même là, c'est à Strasbourg. C'est à Strasbourg, ils font, leur réunion de l'Union européenne. Ils partent voir. Quand il y a la vie chère, ils partent, ils s'asseyent. Ils voient pourquoi tout le monde râle. Quand il y a... Parce que ça, quand il s'agit de groupement, CEDEAO, c'est beaucoup de... Les 17 pays-là, ils se mettent ensemble, ils partent prendre des décisions. Bon, ce pays-là, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Puisque dans notre accord, ça a été dit, pas de coup d'État. Il faut que le président soit légitimement, élu. Il doit passer par la voie des unes. Et si l'autre
vient le déstabiliser avec un coup d'État, nous les autres là, on se réfère aux écrits. On se réfère aux écrits, les signatures, les accords qui ont été décidés au sein de cette chose organisme. Donc, on ne va pas écrire quelque chose, signer, tout le monde a mis son accord, voté pour dire oui, on est d'accord, nous sommes d'accord, chacun a pris son exemplaire, ils sont rentrés chez eux. Et que maintenant, le contraire de ces accords sont en train d'être appliqués sur des territoires. Les autres pays de la CEDEAO n'ont qu'à rester soumis, ils n'ont qu'à rester aveugles. Quand on va pour aller déloger des militaires qui veulent emprisonner, qui ont emprisonné, kidnappé un président démocratiquement élu, une société civile, elle saute, elle vient s'arrêter. Ça veut dire un mélange de linge, les serviettes, le linge, les serviettes. Au Parlement, ça n'a pas. Toi, tu étais au Parlement quand on décidait. Toi, tu étais là, à Lagos, là, à les années 75, quand ils signaient leurs accords. Toi, tu as vu dans l'accord, là, ce qui a été décidé dedans. Hein? Quand, Gbagbo a été, ils ont fermé la Côte d'Ivoire. Quand ils avaient mis embargo sur la Côte d'Ivoire, là, toi, tu étais où? Tu ne pouvais pas sortir aussi pour dire pourquoi ils avaient mis embargo sur la Côte d'Ivoire. Mais si tu fais n'importe quoi, Gbagbo n'a pas été élu, il ne voulait pas quitter le pouvoir. Il dit, lui aussi là, il est là. Il a gagné ou bien il n'a pas gagné, il est là. Il faut qu'on recompte les voix. Pourquoi quand les gens venaient pour le déloger là, toi tu n'es pas sorti là pour dire pourquoi vous êtes venu? Pourquoi vous venez le déloger? Donc on n'a qu'à laisser quand ça vous arrange le coup d'État parce que maintenant, les 223, 222 ou bien 200 là-bas, là, votre 200, vous conjuguez tout le temps là. Il reste 225. C'est vous qui les faites croire que le 225 là, c'est déjà acquis. Toi, une vermine comme ça, les Judas comme ça là, vous applaudissez le malheur des gens. Vous applaudissez, c'est vous encore qu'ils aimaient dire, on fait les camps des réfugiés, la Côte d'Ivoire sera envahie des étrangers. Ce qui provoque la masse des étrangers vers la Côte d'Ivoire, là. C'est ce que vous aimez. Vous applaudissez les coups d'État. Quand ça chauffe chez eux, ils se remplissent dans les camions de bœufs, là, et puis ils viennent envahir votre pays. Dans ça, là, vous avez la grande, on surveille pas bien, on protège pas bien la Côte d'Ivoire, les frontières, les gens rentrent n'importe comment, les étrangers sont beaucoup, tout ça, là, c'est pour venir donner la popularité à Alassane Ouattara le jour des élections. Vous êtes avec le diable, et puis l'avocat du diable. Toi, tu veux parler dans ça, là? Mais vite au Niger, tu vas aller voir comment ce qui se passe aussi. Parce que tu aimes bien t'immiscer dans des trucs qui te dépassent des tailles. Tu es allé au Burkina, tu as été au Mali. Pourquoi tu ne vas pas au Niger? Fallait aller pour inspecter le coin. Il y a quoi à faire? Alassane Ouattara a attrapé combien de militaires là-bas? Ils sont en train de tuer combien de personnes là-bas? Combien de militaires ivoiriens, contingents ivoiriens aller s'immiscer là-bas pour déclarer la guerre? Pourquoi tu t'es pas invité là-bas? Comme tu sais si bien le faire. N'importe quoi. C'est des gens comme ça qui viennent abrutir nos peuples là. N'importe quoi. Et puis ils se suivent quand on allait à l'école. On allait à l'école. Déclaration de guerre. Faut aller prendre les trucs pour lire un peu. Essayez de sortir les gens de l'obscurité. Ils comptent sur vous. N'allez pas les abrutir encore de plus. Ça vous apporte quoi même? Et puis ils se suivent. Et puis ils s'induisent à l'heureux. Hein? Voici quand c'est le Guillaume même parlé. Ce qui concerne le cas du déploiement de forces militaires de la Côte d'Ivoire, ça relève donc du président de la République. Et le président de la République suit attentivement ces questions-là. Vous vous souviendrez que quand il y avait des difficultés au Mali, le président de la République, de façon spontanée, a accepté d'envoyer des troupes au Mali. Donc, s'il y a un cadre approprié où les chefs d'État de la sous-région s'asseyent, ou du continent, je n'en sais rien, et qu'il faille que la Côte d'Ivoire contribue dans la solidarité, je ne pense pas que le président Ouattara soit quelqu'un à renoncer, à être solidaire avec ses pairs. Non.
Voilà. C'est pas Soro Guillaume qui est en train de parler de ce que vous voulez entendre là. Donc, quand lui parlait là-haut, là, c'était pas dangereux pour la sous-région. Mais quand on vous dit l'intervention là, c'est pour montrer à tous ceux qui veulent se préparer là pour un prochain coup d'État là, que le coup d'État va être banni. On va plus négocier. C'est ça. Ils ont négocié avec le Mali là. Voici le militaire, il a Koulouba là-bas. La population est en train de mourir à petit feu. Hein? Si depuis là, ils avaient pris les sanctions là, vous pensez que le peuple allait mourir comme ça tout le temps? Vous chassez les gens qui peuvent vous aider. Vous criez, oh voleur, oh vous-même, vous êtes les plus grands voleurs. Ils n'ont même pas pitié de leur peuple. Elle aussi, elle va venir s'asseoir, elle va mettre sa bouche dans tout. Il y a longtemps, mais on t'avait vu sur les réseaux. Maintenant, tu vas avoir vu avec Niger, n'importe quoi. Va avec ta médiocrité, là, tu fais plus son, n'importe quoi. Ah, on parle des gens, les autres aussi parlent. Hein? Regardez ces gens-là, ils sont là, on parle. Donc maintenant, il paraît aussi que... Les Français aussi, non, je dis, ce peuple, il ne parle pas. Hein. Mais quand il veut agir là, tout doucement, on dit, on ne donne plus visa aussi. Au Saracolé, là, ils n'ont qu'à venir parler. Venez m'insulter. C'est vous qui aimez insulter. Vous qui aimez insulter. Bon, que vous manifestez pour l'Afrique, je peux comprendre. Mais que vous manifestez en France en traitant les Français de voleurs, vous êtes quand même un peu abrutis sur les bords, non? Donnez-vous les moyens de rester en France. Levez-vous le matin, essayez de bosser, essayez de prouver que vous avez envie de rester en France au lieu de nous traiter de voleurs dans notre propre pays. C'est qui vit, qui se cache dans mon pays, dans notre pays? C'est vous, c'est pas nous. Alors arrêtez vos manifestations à Paris, à Nantes, à Bordeaux, à Lyon et à Toulouse. Ça sert strictement rien. Vous êtes trois pèlerins en train de manifester, en train de dire que les Français sont des voleurs. Mais vous manifestez sur le territoire français. Vous avez pas compris quoi? Est-ce que vous avez un petit problème neurologique ou pas? J'ai un petit problème. Parce qu'en plus, vous manifestez dans un pays qui n'est pas le vôtre et vous n'arrivez même pas à vous donner les moyens de rester dans ce pays. Et pourtant, vous traitez les Français de voleurs. Mais vous avez un niveau intellectuel qui est très très bas. Moi, si je serais vous, je reprendrais l'avion et je repartirais en Afrique. Et là, je manifesterai. Et là, je défendrai mon pays. Et là, j'aiderai mon pays. Tout ce que je ferai moi pour mon pays qui s'appelle la France. Voilà. Bon, que vous manifestez pour l'Afrique, je peux comprendre. Voilà. Comme ces gens-là, ils étaient dans le silence parce que ici, ils sont un pays démocrate, chacun la liberté d'expression et puis le droit des hommes est bien respecté. Chacun peut se manifester comme il veut. Donc, comme maintenant, vous les avez provoqués là. Maintenant, ils sortent de leur silence. On dit rester sur le territoire des Français et puis manifester pour votre pays là. Que ça est voué à l'échec. Retournez là-bas et puis vous allez manifester pour libérer votre pays. Parce que les djihadistes là, c'est pas ici ils sont. Ils sont dans le nord du Sahel là. Donc quand vous pensez que vous êtes des vrais patriotes là, vous prenez maintenant, comme on dit, il n'y a pas Air France là. Vous prenez Russe. Russie, pour partir. Même en Russie, même là, ils prennent plus billet d'avion. Vous partez, présentez-vous, je suis panafricain, ils vous mettent dans l'avion comme des moutons et puis vous partez libérer là-bas. Au lieu de rester sur les réseaux, sur le direct des gens, en train de mettre des cœurs, des têtes de mort. Faites comme l'Ukraine. Ils se sont mis ensemble pour aller. Aujourd'hui, là, au nom de la patrie, ils sont en train de défendre leur terre. Faites comme autant des Ivoiriens. Ils se sont mis ensemble pour dire, ici, là, les gens du Nord sont fatigués de mourir. Ils ont pris leur destin en main. Faites comme eux. Arrêtez d'insulter les babos, babo. Ça ne construit pas quelque chose. Ça ne libère pas quelque chose sur la terre là. Et puis ça ne fait pas évoluer quelque chose. C'est ce qui est en train de vous fagobaratoya. N'importe quoi. Les gens parlent, vous parlez. Hein? Les gens parlent, vous parlez. Les gens parlent et vous parlez. Donc, comme ce que je disais,
parole, vous vous parlez. Hein? On vous dit, attendez, il y a un... Et puis, on dit en plus... J'ai dit, au Mali, là, j'ai dit de Niger, on parle du Niger, eux, ils sautent, ils sont dedans, et ils sautent, ils sont dedans, ils sont partout. Hein? Là, si on va vous inviter dans quelque chose, vous, mais vous avez votre linge qui est bien sale, là. Votre linge qui est bien pourri, là. Vous n'allez pas régler ça, hein. Voici, voici des gens. On vient, c'est où? Voici des gens. Nte ika video do e de kanto koni cheo che ni tura ni sura sinu ko kie malija e we video kea kito M5 na koni sura sinu no me fangana bi koni mao ma tukuru ko kie malija fa M5 mo mo sara M5 kele la ki u jafa parce aujourd'hui tu as un poste au niveau de la primature et ba ce qui veut kuma do fanye ko ko choke liye malika e dignité resore tu parles avec quelqu'un qui a enseigné pendant 10 ans l'histoire des idéologies. Au contraire, aujourd'hui, vous êtes en train de détruire le pays. Le tissu économique est en lambeaux. Combien d'entreprises ont été fermées? L'école aujourd'hui, ça veut dire qu'elle est fermée. Les hôpitaux sont en grève. Chogel, quatre discours. Chogel, quatre discours. Chogel, quel est le Ikantoya? Il y a un gars, il faut quand même Francis accusé Dongolo de tous nos problèmes. Qu'on a élu des dirigeants ici qui doivent rendre des comptes à la population. Oui, allô? Bonsoir, c'est Nada. Oui, bonsoir. Nous sommes en direct, hein? Oui, nous sommes en direct. Ah ouais, je revenais pour dire que... excusez-moi, hein? Je revenais pour dire que vraiment quoi d'abord il faut une seconde quand on y a fallu quoi. Et que mais nous on veut couler là quoi c'est de là où bolatan à de là ta bolatan à la salle où on va travailler avec la ta au bas de là au bout où il y a pour la loue mais nous on y est on y a fait où alou malien ivoirien alou mais nous ta famille là mais la tournée n'y a pas rien là et que quand nous faisons ce qu'on se voit car l'ombre a rien de quoi. N'amour que à famille avec vous parce que à ce moment-là, il y a des problèmes nous qu'on y est. Où t'es tiens pour la, où t'es tiens car. Et qu'ay, au cas président boy, mais que la Mali taille, mais que la Burkina taille, mais que la Niger taille. Ni qu'à quatre mille qu'ay, au lieu de au cas président ou boy, au président me paraît que là, on a allé moquer les mouli. O peut me aya jamana o famo o yemo o pauli a cosa peut me que me oruku le buru president ka digi ke aya relation e ka digi ke alaye ka ba ka digi ka le pa ale sura sikele no lema akaye me olu o tesele o ya bara la o ka foru ngana mu ngana mu ka problemu kere au cas que l'on a l'ouni, il y a des gens qui ont été mis en train de se faire. Au cas blanc, allons, à ce moment-là, la même, au lieu d'être mort, mana. Au cas négociation, au cas blanc. Mais comme il t'aime, nous nous retiens, au cas l'eau, nous nous retiens. Allez, mes gens, gardez les quais. N'allez, me n'a pas blanc. Allez, ma d'offre à Tessirica. Allez, ma d'offre à Tabana la Canada. Allez, ma stratégie, bien sûr, pour que mon nom est réclé. Allez, à Miriam, sûr, ta stratégie, bien sûr. Allez, t'as ton nom Benamina, t'as ben président, ben t'as le président placé là. Malien, Burkinabé, Niger, Aoussou. Alloué, tu as vu à la terre, à la Guinée. Je ne gagne pas de manière à la Canada. Nous ne gagne pas de manière à la Canada. Mais nous, vous voulez ta boyou. Quand vous êtes là, on a l'eau, tu as Burkinis qui parle là. Allez, assumez-vous, c'est ça que vous voyagez.
a ya ko pe ambio mais pourquoi elle était bourrée du kokao ata muti favoro la mais moro ben parla toujours a ko do ko de mo chila fami do le de un ni me bonona table do le metier na ti mo chama ne bonono ni na e ni mo bonona ro na mo be ma bien mai et donc ma machine fo ma wallahi ba ya ta ala yi abuta asibu ko italena na fo alu nyero qu'on est allé sur la carte au genou, les chiens là. Mais ben, on a pas beaucoup de chiens, comme les milanos. Allez, ce qu'on va le voir avec genou. Ah, n'a pas fait ce qu'on va le population de voir. Donc, à genou, tiens, oui, allô. Au thé, ça est beau, tiens, calama. Avec ce cas, exemple, ta mort, j'aimerais que tu aies boire avec calama. Au cas, mon robe, la ta belle, au locoson, au thé, c'est le coup de bois. Au tête de quoi de voir ma chasse, au bout auquel les carreaux ben hâtir souhaite à n'a dit au roman, comment tu as 49 pour que n'yamma? Parce que 49 pour que vous avez un peu de temps, pour 49 pour banan. Maintenant, au cas avec un beau carama, au cas rangi bâtiment. Au cas où vous pouvez faire un autre rousse, ton limite quand vous pouvez faire un peu de temps. Eh, en tant que toi, là, ta bombe au roulette, au billet, à n'y a pas de temps. Avec un poil, là, sinon. Abe mimi na ka kodi bwane ni. Alu ule kanaka do oke kodi bwane. Ni mwa kanaka asisteri la kodi kwa duguye. Uwe mali yewe. Paske mali faba bego kodi bwane. Epi mali bine faba bego bwane kodi bwane. Atama. Mabwa mwa mali te defendi la kodi bwane made. Mali yere mwune dilama. Mali yere mwune misile dilama. Misi yere soko tete ka dobu ya ale la. Metere na mwa obeta nyo te kata seri ka abijani. C'est parce que je suis venu à la maison. 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 Je suis venu alors il y a mon bébé waru blague t'as d'ama quand nous les bloquer bénie pour passer jamais n'y a mon côté fait qu'à ben quel moyen ah c'est que fana n'était à ta hérité parce que fana avait ni mal ni hérité ni derrière les milita à qui a jamais n'importe mais assis mieux que ça voilà il mettait ce poil là à ce poil là ah aya yero koshi aya yero koshi aya sabari aya alors il y a jamais n'est en tout parce que assez nouveau que voilà, il t'a montré une quoi. On a trop propre pour discuter avec vous. Merci. Donc, avec Tana Tana Dola, Tana Ni Allah, c'est quoi, Yerema? C'est quoi, Yerema? Après, c'est Bala. Parce que, à ta Nyanyama, allez, tiens, faire un bon Malien, c'est peu au Kacha, à Sebe au pays, à Horon pays, à Alimou au pays, à Lonikela au pays, Milou au pays, tiens, l'eau au pays, tiens, si qu'au Karama, ou à l'aïe au loup au pays. Mais au loup, t'es quoi? Au tout, il est là. Allez, t'es pas dans l'eau. Attends, j'en dois être là. Eh, bien, t'as beau. Voilà. Par la fina, à qui est-ce que c'est bon mal là? Bon, en haut, Africa, on met s'il te plaît. Parce que, à tes mots, à ta niche polique, à ta niche polique, avec Dieu européen, mais développement zéro chez vous. Malien, c'est le bête, tiens, bon. À péter la fin des jugos, dit. Mais ce que tu as là, ce que tu aurais mis, me voilà, qu'à quoi, urgent, venez, il y a bonne nouvelle. Moi, nous, voilà, là-bas, il y a un peu là. Attends, pour la passer, attends, j'ai la manière. Mais là, quand la caméra de la cour a vu que tout le monde l'a mis, si elle me fait un rôle, c'est pas un rôle. Nous, 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 un président qui a beaucoup de couleurs le monde a fait un demain pour lui. La dernière chose pour moi, travailler payé. Mais c'est la salle où vous payez. Il n'y a pas besoin de faire avec Dieu. Moi, je vais vous raconter ma vie. Attendez à la grille là. Attendez à la grille là. Au bas de la baraque là où on est. Allô, ma chia. Ta hâte sur. Mais allô, vous avez besoin de connaître ça. Allô, les moutons. Allô, les moutons à nous. Quoi, les moutons à nous. Mais allô, les chauves à madame. Avec un sédom. Parce qu'il y a un président de l'année. Avec un maman. Un défunt de l'homme. Mais nada. Mali la kouwe fadi so le dum foga dana teme. Olo ko so ko se mabe o ati lu gbere gbere lu. Ko to le ka ba. E foga ni o fara fo yin le. Aha. Don vitamin la lo ati. Aya da bo aja jabara ga. Eh vive la Côte d'Ivoire. Papa Ado. Merci beaucoup te dada. Assalamu a toi. Merci mon grand via ta position.
Ah, famille, je dis, quand c'est comme ça, même là, moi, je suis tranquille. Voici les corobas qui mettent l'ambiance dans ce nouveau groupe. C'est ça. Bon, famille, je vois, il y a un qui nous dit, qui m'a écrit tout à l'heure en disant que, au lieu que le président investit dans les entreprises, les usines, l'emploi, qu'il ne fait que prendre crédit pour payer, pour construire les ponts. Mon frère, c'est pas ici que tu dois écrire. Si ça te chauffe bien là, faut caler en l'air. Sinon que la présidence est là-bas, tu peux aller prendre pancarte et puis tu revendiques. Imbécile, bah. Toi, ton papa peut pas faire champ de cacao, tu vas aller te il va t'embaucher là-bas. Hein? Il peut pas, ton papa là, il vit dans cour commune. Donc toi, tu peux pas connaître la valeur d'infrastructure. C'est des gens qui n'ont rien à voir. Les gens comme ça, là, quand ils arrivent dans un village, ils disent, on mange pas goudron, hein? On mange pas pont, hein? On mange pas ça, là, on mange pas chu. Mais ce sont les premiers qui sont là à faire des vidéos. Eh, le quartier là est délabré. La route là est cassée. Ici, là, ils sont pas encore arrivés. Ils font du favoritisme. Ils viennent pas mettre bitume ici. Ils font pas ça là ici. Ils ont oublié cette communauté. Ils ont oublié cette localité. Vous là. Est-ce que nous, on a besoin de vous satisfaire encore? Nous, on n'a même pas besoin de vos humeurs, vos émotions là. Vous voulez là. Ou ça ne vous plaît pas là. Mettez là-bas et puis calez à l'air. Maintenant, là, c'est nous qui décidons ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire et ce que nous voulons pour la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien à nous opposer. Vous n'avez rien à nous proposer. C'est pas à vous de venir nous dire ce qu'on fait là, c'est pas bon, bien c'est bon. Venez nous dire, les leaders que vous avez aimés, vous avez placés en Côte d'Ivoire là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la jeunesse? Qu'est-ce qu'ils ont fait même là? Pour leur localité, leur village. Vous aussi, vous voulez parler. Vous avez passé votre temps dans les agora ici. Vous avez passé les gars là même là. Ils ont passé leur temps en train de danser dans les rues princesses, enceinte les filles. À chacun son blanc, à chacun son doula. Vous allez venir dire quoi ici? Qu'au lieu de prendre crédit. Il prend crédit. C'est tout le monde qui peut avoir crédit. Si on gagne crédit facilement, là, pourquoi? Chose, comme on dit, quand Gbagbo est arrivé, elle n'a pas attendu de chercher crédit, mais elle est venue supplier pour qu'on dégèle son compte. Si crédit est facile à prendre, là, les Kipré, la Stéphane Kipré, les Kone Katina, là, quand ils ont négocié leur rentrée, là, pourquoi ils n'ont pas cherché crédit? Si crédit est facile à avoir, pourquoi ils sont venus encore négocier pour qu'on dégèle leur compte? Sans vous dire, mais vous êtes dans l'ignorance. Les zozos comme ça, vous les suivez, on dirait que vous là, vos parents vous ont accouché pour suivre les gens. Suivez-les, c'est eux qui viendront vous donner tout le bonheur que vous cherchez. N'importe quoi, tes parents t'ont mis à l'école, il ne faut pas aller chercher quelque chose à faire de tes 10 doigts. Bon, famille, on nous dit, hier, comme je vous le disais, qu'il y avait une vidéo qui s'appelait... Voilà, voici la vidéo. Tant à l'effet, c'est vrai. Si vous savez où est Balenda, Koukou, Monsieur Korobala, ni Ode, Monsieur Nye, Afle, Odela, Alhamdulillah, Rabila Alamina, Chaudona, Monsieur Konokaban, Monsieur Dasora, Ye Kalwa Baradamine, Monsieur Kono, Jeninga, CDAO, CDAO Mingoko, Farafinatil, Lebiava, Yamanoti Lafia, ni Olumake, Francis Sakwe, Anya Fayou, Monsieur Nye, Monsieur Korobadi. Kacha sante mwaroe, aira nyebe misiri ndundala, adunda flene, akuko bunye flene, datu ule flene che udalani, che uduna kaba, ube kumana uni ala de chenu wati, sede yao kukunga, sede yao mingo, ko anke suno kwa ante lafya, fo anga kene tuwabu join, kerengrade ama, chegu sajude ya nini alafe, ko bazu mkafa nga kabi, ala sona fanga impina, opma sede yao kemeka java minta, kanyeshin bi, ala sanu watara, Alemi kerengeleleama ni alebe mbamuru fulani nyokonche alaka mbamuru ani Emmanuel Makoronga mbamuru ngasrana Emmanuel Makoronga mbamuru nye kadaka anyebe ula abulo bobulu kasola ki nyedu alaka mbamuru la alaka mbamuru ya ambafo alasana watarako kwa alaka mbamuru ya ambakuna wajela chauduna misiri ngono kaba
a datugulen bɛ u da la u ni ala bɛ kuma na nin so in kɔnɔ yan CEDEAO ko kunga o la Segu Saju don o tɛmɛnen kɔfɛ jamakulu tɔ nana misiri dukɛnɛ na an bɛ se ka o jira aw la nka minnu kɔni bɛ kaliwala ni waati alhamdulilahi rabbil alamina datugura olu da la ka ban olu ni dali masa bɛ kuma na o kuma mɔgɔ tɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ misiri i ka dɔn k'a fɔ ale dukɛnɛ na nin waati na olu bɛ ziguru kɛrɛnkɛrɛnlenw kan k'o kɛ ka ninnu ta dafa ɲɛna min y'i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati ni min na da kɔni tugura cɛw da la ka ban misiri da filɛ nin insha allah ni an ye misiri da yafa fɛ da bɛɛ tugulen don misiri an kɛnɛma da ni an ye a dukɛnɛ da la o fana datugulen filɛ nin o kuma minnu ye mɔgɔ tɔw ye olu bɛ misiri guwakɔrɔla la nin waati na olu fana bɛ ka damakasi kɛ dali masala ka ala wele n'a dugulen tɔgɔ ye nka minnu kɔni donna kaliwa la bi u ko u bɛna CEDEAO u bɛna di ala ma u ka dɛsɛ Niger Mali Burkina Faso ni jamana ninnu ka fara Laginɛ kan ninnu bɛ basigi cogo min na CEDEAO yɛrɛ mako bɛ sa cogo min na ko o baaraw de ninnu donna Segu Saju fɛ teliya la tuma min na CEDEAO ko k'an na kɛlɛ bɛ Niger kan o tuma an badar silamɛw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Segu Saju y'o baara daminɛ kugu misiri kɔrɔba in na o tuma cɛw donna misiri kɔnɔ ka ban datuguru da la n ye o jira aw la sisan o tuma an n'a balimakɛ don Segu Gawo Sidiki Mɛnta ka folikɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma o tuma a k'a ka dugawu fara an ta kan i k'a dɔn k'a fɔ wa an bɛ min fɔ Niger ye k'u k'u hakili sigi ko foyi ti bɔ ko in na k'u sɔrɔ bilen insha allah madama Segu Saju tɛgɛ bɛ ala bolo u kɛ n bɛ k'u jigi da ala kan ko foyi ti bɔ k'u sɔrɔ ko wa ko cɛw donna misiri in kɔnɔ ka ban a datuguru da la a tɔ bɛ u ni ala cɛ sa o de la u bɛ ŋunuŋunu na nin waati in na o tuma u ni ala bɛ ɲɔgɔn ye na nin waati in na waasa min kɔni ye CEDEAO ko ye min bɛ na. Elle se courir en pente. Ko o ni ala bɛ ɲɔgɔn ye yan ɲɔgɔn ye la nin waati in na que ils sont et ils sont en entretien direct avec le bon Dieu pour pouvoir délocaliser la CEDEAO et Alassane Ouattara. Mourou couteau pour égorger Alassane Ouattara et Macron. Le problème, j'ai dit, ceux-là, l'aiment mal aujourd'hui, là, c'est le président, là, le député sous-préfet de la France et puis le. Ça fait pitié. Kwani, les sages de Ségou sont ko oni ala be nyonye là. Et puis vous allez voir comment ce qu'ils font faire à les fidèles. Hein. Ah là. Vous allez voir hein, des gens qui ont faim, des gens qui ont manque de sécurité. Des gens qui ont manque de soins. Voici ce qu'on les impose encore. Namata kalwa ke fiziba konona misiridala ya. Ambe tege do abela. Y a personne pour dire non. Venez voir. Ala. Ah nanya ke ami kena bla wati. Mo ko mi ro ko le mo ko si la fara fara. Ko fe ami na deb ni ka bol ma fonta. Ya fam ya. Ah ami ami bolé ka ro bla ko. Donc ko fe am tro fana. Ka dam ni ala sa bi wakala la ka ka fanga ci. Ale bi aso ya. Ala di ka jo bi le de koroni. Kalo woro ni kalo woro. L'Afrique, donc il y a des puissances comme ça là. Il y a des puissances comme ça en Afrique. Mon frère Yaya Bamba, go, donc
y a des puissances comme ça en Afrique. Et puis, Amé Segebadena. Il y a puissance comme ça en Afrique. En Dembe Sala, Kordi la Diama Longolo. Donc, Alouna Labe, conférence directe là. En Dembe Bonibe, Point du Coronene Naya. Baton Joli Joli Be, Dembe Faradji là. Donc, pardon, attends, je bois un peu. Parce que là, on est arrivé dans notre dialecte là même là. Donc, vous pouvez voir le bon Dieu pour qu'il déstabilise la CEDEAO, les pays, pour qu'il mette en affrontement, Macky Sall, le président Macky Sall, Alassane Ouattara, Macron, et surtout les présidents de la CEDEAO. Dao fanga balou fei. Ate sabari kato londa blani mroya. Ate sabari kato mroya bina anyas la maya takum tolonge fewa. Alou la 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 kos la ma bere bere be bara fason ke. Ka samara bo ou. Parati parata. Ye, ou bien. Vous aussi vous cherchez vue. Ay sabari. Oko sa otan de hommes singes l'envoye tout ça là. Dali bi aloube aloube comme boubouya. Hein? Je comprends pourquoi la France a dit Air France ne vient plus là-bas parce que alou manka do Air France là. Akan ka tama senali. Alou yere manka do mobile là parce que Bay Nazareth il y a fin d'année. Akan ka tama senala li negeso. Même vélo là, c'est pour les Nazareth là. Peuple souverain. Alou be souveraineté sur Kato Samarata la Kagbesi Besi. Urba. Alassane Ouattara be takate. Dwaye be takate. Macron be takate. Macky Sall be takate. Mentalité façon kotgunu be Malila. Mais je comprends pourquoi tu n'as qu'à boire à Norolake. Vraiment. C'est triste. Hein? Émotion bansan. Bonjour 2023, c'est déjà passé. On va faire 2024. Amen à Blala. Amarana Kanike Vendu. Bonjour 2024. Là, avec Kuputao. Ils vont dire des meilleurs acteurs comédiens de l'Afrique, de l'Ouest. Parce que bientôt, Amen à bosser des là. Parce que CDAO ne mérite pas les conneries comme ça. Là. Donc, Misiri est là-haut. Alou Beta, si Misiri là. Quand Misiri d'Atou Ayre là. Comment ben yini ko boti ko la bana diabète be doy la tension hypertension be doy la covid yere poussière bana a be doy la paludissime bana asini be fundere o la ko anu na la le benana nyoye ke alu nyere kwa la makobe ko fason na wa amlu maloka la be tiane ko ala makobe aya manamana ko fason ni la wa. A te fara yere ko la nyongo masa. A kana to mwoy ba fokaye ba yere de ikwa. Et puis il y a des enfants qui voient leurs parents dans le déni comme ça. Des mythomanes, des psychopathes, des fous. Kounwulito il est beniko façon ke. Et puis abato, on va filmer ko bla mondial ka. Et puis les gens sont en train de se moquer de vous. Et puis quand je comprends, minou nous veut foyer konoyan. Oru le on ayake foala samye be. Fo makoro ye be. Il faut qu'on kunye foronyona, il faut que guerre ye wuri oninyonche. Il va avoir la guerre dans la CEDEAO, c'est vrai. Il va avoir la guerre en Côte d'Ivoire, je n'en dis combien pas. Mais présentement on nous dit il y a plus de 240 000 émigrés maliens en Côte d'Ivoire. Oyerema a comptabilisé 2023 là-bas. Voilà. Quand il aura coup d'État en Côte d'Ivoire, là, tous ces 200 et quelques mille maliens là, au bébé d'eau, fourre le conon. Ame Atik 25,
Pétrole 100 francs, allumette 25 borokan. Voilà. Olu koni mena bori okan ite. Parce que olu immigré nounou. Ils sont en Côte d'Ivoire parce que la paix de Côte d'Ivoire grâce à Alassane Ouattara. Parce que sécurité de Côte d'Ivoire grâce à Alassane Ouattara. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui là donne l'hospitalité à ces gens-là, donne l'assurance à ces gens-là, protège leurs biens et leur vie. Allo Beta Misri là, dans la tonne nous, voulou nous nous. Allo Kankata si Broussi le Kono, à placer tes villes Kono. Voilà. Aux 240 000 immigrés là, maliens sur le territoire ivoirien, allo Fatia, dans la tonne il signifie. Misiri kono, kolube fatia tala, chokorobami, kama, au 200 combien de mille, combien de mille là, akashia yere quoi. C'est ce que j'ai pu relever un peu, mais je sais que c'est plus que ça. Parce que au Chamabedo, il y a beaucoup qui rentrent par la voie des moutons là, où on met les moutons ensemble dans les camions pour rentrer clandestinement là. Dans ceux qui ne sont pas comptabilisés là, si on les rajoute dedans là, c'est plus que tout ça. Toi, il y a de frontières là, en se mélangeant dans les herbes, ils prennent les herbes comme ce que nos forces spéciales là font là. Ils se mélangent comme ça et puis ils rentrent tellement ils veulent venir dans un pays éclairé. S'il y avait un beau gauche en Côte d'Ivoire là, vous n'allez pas viser la Côte d'Ivoire comme votre pays de l'Eldorado. Comme diaspora aussi pour aller émerger. Encore, comme vous voulez, car CDAO B, parce que CDAO prend sanction contre Niger, CDAO veut régler le coup d'État, sans coup d'État en Afrique, à cause de ça, vous voulez tous les voir mourir, tous les voir disparaître. Burkina B. Olu yere le kashi à Côte d'Ivoire ni Bay. Le plus nombreux chose, peuple, comme on dit, en immigration en Côte d'Ivoire, ce sont les Burkinabés. On dit quoi? Plus de 2,238,548 Burkinabés sur le territoire ivoirien. Donc si on fait coup d'État où? Si on fait beau, ceux-là, là, eux, là, les balles, là, vont les dépasser, puis ça va aller toucher Ivoirien, ça laisse Burkinabé, ça laisse Malien, ça laisse Nigérien, ça laisse chose Mauritanien, ça laisse Guinéen, mais ça va même pas toucher les gars, hein. Ce sont les RHDP, ça va aller toucher. Hé, hey, Naza, voici, toi, t'as pas de balles, boum, parce que toi, tu suis à la Seine Ouattara, boum, vas-y, c'est toi, tu suis à la Seine Ouattara. Maintenant, tous ceux qui ne suivent pas Alassane Ouattara, là, les balles, là, quand ça va arriver devant eux, là, ça va dire, non, toi, tu es Burkinabé, je ne te touche pas. Toi, tu es Malien, non, non, je ne te touche pas. J'attends les gens de RHDP, là, ceux même qui disent, ado, mouton, là, on va les tuer d'abord. Parce que quand ils vont lancer balles, là, ça va choisir Naza, ça va choisir Brahma du Nord, ça va choisir Kwasi du Sud. Donc, ils sont en train de prier pour que la CDAO tombe, pour que Alassane Ouattara tombe. Ils sont en train de prier pour que la CDAO, tous les présidents, Macky Sall, tout ça là, c'est les Sénégalais qui n'ont rien compris. Voici les panafricains là qui prient pour que celui même qui rend votre pays aujourd'hui émergent là, il doit tomber. Il doit se frapper avec Alassane Ouattara. J'ai dit, Alassane Konike, à Temenalou, il y a l'Eurocan. Alassane Konike. Alassane, il y a des vieux qui sont en train de prier là, ils ont même âge qu'Alassane Ouattara. Allah yere ma télé yere botuma yere alou là-bas. Allez, c'est là qu'a mimba ya dunya la tige là. Ade, chokoroba doye yere ba ache maya. Oden ta de, anyonte se kakaye, dunya nikono. Allah lebe farama oulou. Allah lebe président bo. Allah lebe moro bo. Bébé wulika be ko laika te seka laika. Obe boy wolo baga ke chwoyali la.
abamso ma fo fin ka fo gbe aka feretanita aka mo edin yeme aka nyuma ke kasaraka bo aya misi aya ekong aka pouvoir ta lomna afola kwa kun fola ko dembe wolo koni kono ya abe jamana mara abe ke ni jeli boy ma be fangake afono ali na kwa be safangala be safangala alu ya samara bale be na la santa kaboya dabe se epi mali fangre be kulela olu 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 abe kulela Burkina fangele bala olu olu dabe se seli la Nenye ni be sheli ke ni be dua uke ou. Ni da la dua uka di. Tu fais d'abord pour tes proches. Pour ta maison. Pour tes enfants. Pour tes petits-enfants. Pour ta localité. Pour ton village. Pour ta ville. Pour ton pays. Avant d'aller faire pour l'autre personne. Dalou be. Alou ta ya problème ye. Alou n'y a be problème ouere de la. Niger ta d'abord la si sa faralité ou yorolo. Faralité, parce que l'Américain est bien. Alibi français est beau yorolo. Vous qui aimez dit au Mali là-bas, à bas la France, tout le monde s'en va là. Et puis vous criez encore que aide humanitaire. N'en y a la loukoumé na folo, que Poutine n'a qu'à venir pour déloger Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Ou bien Poutine n'a qu'à aller déloger Macron en France ici. Ou bien Poutine n'a qu'à aller déloger, Macky Sall. Ou bien n'a qu'à aller déloger tous les présidents de la CDAO. Ah donc Poutine t'a comme ça maintenant. Aya paté n'a la matéa. Donc avec ces séli là, avec ces dangado là, avec ces kalwa kalana. Aya dreke ba be tasuma ta la lombeni. Ate kalwa doke, mo jeni beba Mali là. Ate kalwa ke Sarasonya be bam Mali la. Aye kalwa ke Jantaraya be bam Mali la. Aye kalwa ke Djegeni be bam Mali la. Aye kalwa ke son volé o be bam Mali la. Aye kalwa ke Deni yese katara école sou la. Aye kalwa ke d'autres sou la flamme nou te sela ka banabarato soro ka banabarato e flakeke. Aye kalwa ke o chamaye se kana. Aye kalwa ke kotounu. Mwam nou te ji soro la ka mi. Oye ji soro ka mi. Aye kalwa ke. Mwam nou te se la ka fani soro. Sécurité dron. Aye kalwa ke olu ye se ka. Nya soro ya ko ima. Dave se kalwa la. Et puis le peuple en train de finir à petit feu. Bonsoir. Bonsoir. Allô. Allô. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur. Vraiment, merci d'abord de m'avoir donné la parole. Et merci aussi pour tout ce que tu fais pour nous. Merci. Et vraiment, je voulais répondre un peu à les Maliens là. On vous écoute. Ok, d'accord, merci beaucoup. Merci à vous pour que vous m'avez passé Ningmana. Oui. Je viens, parce que là, au bête, n'a mais comme au bête, pas maintenant, quand même. On t'écoute. Amène à moi, tu la canne, pour qu'au bête, d'offre à moi là. Allô, vous m'attendez? Oui, danse, faut parler, on t'écoute. D'accord, voilà, merci d'abord. Et, parce que nous, on y a, à la Kenyon, Kakoui, à la Sandana, au Yoro, le Mukmanak. Mais c'est à fort à la Hakrina, madame, quoi. Amina, Yarabi. Sinon, Nika et Malienne, nous, Lou et Ahere, et voilà, Yamana, Lalila, Kinan Konoya, Yamana, Mukmana, Kabo, Ofe, ou Côte d'Ivoire, Franklin. Mais au thé, au Blanté, moi, voilà, au Yamana, Lalé, connu, Kunangoya, et de la Koyemin. Maïrola. Voilà, donc ça veut dire que Moron haine ne vaut là quoi. Ça veut dire que dans la haine, tellement que
Nyangwea yere wara kujuku jisukuna Fahere sela sisa chokoroba were kana ila gweka sisa akala ule Sali dugo bwala la anana ila gweka yere lisanko anere te nungu feli Be, nebe konbe mingine anu nordisi anu le tukanka danke nukula Pase wati na mwodo nungu tumo ufakala anu le ka andisi buwoka Fongo anya kuzia nebe nyo anu lebe frontiake Non, moi, au bémi, qu'elle a nous là, à Mandanye, nous, Kako, là, c'est comme avec la nous là, merci ça. Parce que moi, donne tout now, à bémi, qu'elle a, au bémi, qu'elle a nous les cadeaux, nous, Fanaye. Voilà. Donc, voilà, au bémi, qu'elle a nous les cadeaux, nous, et ils vont rien faire. Parce que au loup, on les a applaudi là-bas. Voilà. Voilà. Maintenant, nous, 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 On a un moment qui était comme un peu fanaté, c'est-à-dire que nous avons fait un peu de temps, mais nous avons fait un peu de temps, mais la majorité de la chaleur, nous avons fait un peu de temps. Voilà. C'est ça qui me fait mal. Pas. Sinon, ça nous dit, à nous les camps, à la compagnie, nous, voilà, nous, comme nous avons fait un peu de temps, nous, à côté de là, qu'on a rempli au héros là. Regarde, on est débordé déjà à la frontière. Je te le jure. Tu vois? Voilà, bon, nous on a débordé des baratés cadeaux avec un mouillard, c'est qu'un bengali ni chouyali ni chouyali. Ah, ok. Vous savez, il y a Sarano, il y a Missi, il y a Sonia. Oui, parce que vous avez des mots là, c'est comme ça qu'ils font déjà. Tu vois? Vraiment, à nous, il y a des moments qui ont dit ça, avec un mouillard, avec quoi? Comment tu l'as dit, maman, vous avez un mouillard, tu vois, ou doré, un président de doré. Bon, on a fait un bâle ou ma quoi? Trop c'est trop quoi parce que là c'est la erreur de la fana faut qu'on aille là ou la fana ango anu aide mi que la niango baisse quoi anu a chocolat ou baisse quoi si qu'on fait mais anu que la quoi voilà donc on a que la ouie fana anu fana trop c'est trop quoi aïe kami aide mi que la niango fana baisse quoi anu mo qu'on fait fana quoi voilà parce que moron ne parce que aucun il a déjà quoi anu yere niango ya le boy ala sam niango ya tout la de notre du yere niango ya les maliens là quoi voilà ani On est sur une balcante. Oui, à la tante, nord ici, il y a un bouillard, il y a un malion, il y a là. Malion, Burkina Faso, il y a un qui dit là, Burkina Faso, il y a un samaka, il y a là, le quoi. Mais avec quoi, il y a là, il y a. Voilà, tu vois. Donc, même il faut la cour, il y a la dame, il y a là, il y a les dames, parce que nous, nous, mais ce coup-là, bien ici, tu te l'as, tu veux bien, il y a bon. La loi, Kadide. Voilà, parce que c'est ce fouille là, nous avons ce fouille là, pour nous mettre le doigt ou doula, on va se mourir dans la diadie, pourquoi on mette dans la doula pour nous mettre le Vraiment. Donc voilà, mais c'est quand même fouille, à nous, il est nord-dix, il est quand même dans la doula, comme au temps fait, avant d'en faire, on a tout fait. Parce que nous, quand il est là, il est à bord de la doula, il est là, 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 Donc, on ne le fait pas même pas. Voilà, on le voyait pas. Merci vraiment, mon frère. Merci. Vraiment, merci. Allah Kaoula est réel. Amila, maintenant. Vraiment, à quel Nyangouya est réel. Nyangouya est réel. Demain, tu n'as pas. Aïe, qu'est-ce qu'on fait, c'est ça. Aïe, nous, nous, tu es au Kaoula, il est réel. Aïe, c'est ça, il est réel. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Merci, votre frère. Salam à toi. Voilà. Ça, c'est un patriote aussi, quelqu'un qui aime bien la vérité. Merci à lui et puis que Dieu... Quand vous faites un boulot, vous avez dit que vous faites un boulot. Vous avez dit que vous faites un boulot. Merci, merci. Mali fait un boulot. Vous avez assigné Mali fait un boulot. Vous avez dit que vous faites 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 un boulot. Do fait un boulot mina du goût français fait n'aille j'ai aucune c'est qu'à quel malion ni au fond et où il y a calo dama dama sans dama dama j'en ai dit qu'à ces mafies n'a n'y est galon très j'en de bois français boulot à d'où fait un boulot mina du goût français amène au thème de développer bi assigné en fort assigné goïta assigné ouéle canaille Autant c'est quoi quand un bon boulot là non est russier parce que russou est fait tellement fort. Alicine amou y a ni là. Ou quoi couper quoi tellement que Alicine amou y a ni là. Allez assigner reste bien mais quoi ben ma connerie là. Ou à bas donc vous promettez mon tara. Ou à des promesses là bas. Ou à tes malices qu'on en a.
wari foyi te yen olu yɛrɛ bɛ ka an ka kɛsuw vide k'a k'u sago ye wari bɛ ta cogo min ka du ye a bɛ di sungurubaw ma wari bɛ ta ka kɛ manamana ye pendant que population tɔ bɛ sɛgɛn ni ɲani na Asimi b'a dɔn ko n'a ma wuli n'ale yɛrɛ ma wuli ka taa ko in sɛgɛsɛgɛ mɔgɔ si tɛ se k'a sɛgɛsɛgɛ a plasi la a b'a dɔn promesi minnu taara promesi ninnu tɛna bɔ a sira fɛ fo lahara a tɛ se ka bɔ a sira fɛ mali bɛ situation min kɔnɔ i b'a fɔ sisan kɛsuw bɛ cogo min na mali kɛsu étatiques bɛ cogo min na wari tɛ kɛsu kɔnɔna la a b'a dɔn ko n'i ye kalo damadɔni fara nin kan dɔrɔn population bɛ muruti population dun murutilen don kaban parce que aw ka kuranko a ma se n'aw hakili lajigin o la tuguni yɛrɛ an k'o bɛɛ to yen kuran to yen nɔ i ka siraw tiɲɛni to yen i ka hali dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ to yen kɔngɔ de bɛ mali kɔnɔ jani n ka don babu kɔnɔna na wari min bɛ ka di Rusi ma kalo o kalo 7 miliyari ani wari miliyari tɔ munumunu bɛ ka bɔ kɛsu kɔnɔ ka di Rusi ma maliyɛnw an ye faransi gɛn dɛ ka nasiyɔn ka onu gɛn ka minisuma gɛn k'o si ma ye o bɛɛ ka bɛn jɛn ma mɛ wari min bɛ ka don Rusi la a wari tun bɛ se ka kɛ ka sɔrasi dama joli de rekrute a wari tun bɛ se ka kɛ ka mali arme dilan u y'a wari ta u bɛ k'a di putin ma ɛsa aw bɛ ka kuma in faamuya cnt ye sogɛli ɲininka nin tɛ ne ka kuma ye dɛ nin video bɛ nka a bɛ réseau sanfɛ a bɛ certainement youtube kan mɛ a bɛ facebook kan cnt ye sogɛli ɲininka ni e mɔgɔ m'a ye taa video ɲini k'a ye ka sogɛli ɲininka ko wari joli de bɛ ka ŋa don maramafɛn minnu ko u taara sadio kamara ni asimi ninnu taara san rusi la ko wari joli bɛ ka don a la sogɛli ko k'ale t'a dɔn sogɛli ko ko k'ale t'a dɔn k'u ka taa sadio ɲininka ko c'est ko ko ministre de la défense Sadio Kamara ko de b'a ɲɛdɔn k'ale t'a ɲɛdɔn et Sogel min ko i bɛ ka tile la ko 1200 milliards mun ni 1200 million tɛ kelen ye ko i bɛ ka mɔgɔw e mun Sogel y'o fɔ k'olu ye o don surfacturation na ko k'o wari ta k'u bɛ taa maramafɛnw san n'o ye e Sogel min y'o fɔ da i bɛ i bɛ ka taa dɔn mɛ ni tour sera aw yɛrɛ ma ja aw t'o dɔn donc ni tour sera aw ma aw t'o dɔn aw minnu ye i bɛ ka gɛn ni tour sera aw ma aw t'aw ta ɲɛdɔn. Dans famille, qui me mélange mon direct là? Il appelle ou il n'appelle pas? Bon, c'est bon, on va plus appeler quelque chose encore. On va se laisser là pour un moment. Donc, famille. Ko kami bɛ ɲɔgɔn ko ɲanfɛmɔgɔ de tɔn filɛ coup d'état en coup d'état a tɛ jamana si la la ɲangoya man ɲi ɲangoya tɛ dugu lɔ asidiya man ɲi asidiya tɛ dugu lɔ hypocrisiya man ɲi hypocrisiya tɛ dugu lɔ. Populisia mani a te dougoulo. Ka propagande ke, ka manipulation ke, a ba la djigile doron. Sani, a pe kalwa kala. A ye kalwa kala. Kwa yere ye la ou san fe. A kana kalwa kala. Ko ala dendo, ala adama dendo e la djigi. Kalwa be mine, signale kan. Ni kalan bɛ kɛ dugu la kalan ka kan ka minɛ dugu min na o kun ka kan ka kɛ mali an y'a mali bali ye mɛ ni ala ɲinana a kɔ o bɔra a yɛrɛ le la an n'u ta futi tɛ o ni ala ɲinana a kɔ o bɔra a jogo le la an n'u ta futi tɛ ko a ye pays in bɛ développé a y'a filɛ a ba a vous trichez un peu ça c'est pas un crime. Même nous-mêmes, là, on triche l'Occident. Le président triche ses idées-là. Il n'a pas inventé. Il a triché un peu des pays développés. Et puis, il fait genre semblant de faire développer son pays. En copiant un peu les puissances, en copiant un peu les pays développés. Il ne se lève pas pour dire, c'est à cause du Mali, à cause de tout
les ressortissants maliens qui viennent envahir mon pays, là, je n'arrive pas à faire développer mon pays. Ce n'est pas parce que les Burkinabés sont venus envahir mon pays, je n'arrive pas à faire développer mon pays, ma nation. Non. Ils cherchent les solutions adaptées, les moyens adaptés. Même s'il faut qu'il parte encore prendre crédit pour que son pays émerge. Il préfère passer l'argent à la banque, là, si tu ne prends pas pour travailler, là, qui va prendre pour travailler? On ne donne pas l'argent à tout le monde. Il y a un blackro qui était sur mon direct de suite, là, qui dit, Assimi, ne prend pas crédit. Il va avoir crédit où? Si Russie ne lui donne pas de l'argent, il va enlever où? Tout l'or, il donne à la Russie, là. Si la Russie donnait l'argent équivaut, là, si vraiment il est honnête, là, il devait même construire sur pour les gens même là qui n'arrivent pas à se soigner aujourd'hui. Quand je dis se soigner, c'est quand il y a la paix, on arrive à aller à l'hôpital. Tout l'argent de l'or que Russie, si vraiment Russie, à la place des armes, là, il doit donner de l'argent là. Il devait miser dans la sécurité des gens qui sont, qui ont leur espoir volé. Ils sont assis dans les villages là comme ça. Ils disent, cette nuit-là, on va vivre quoi encore? Il n'a pas pitié. Il est sans cœur. Vous êtes sans cœur, vous les pushistes. Vous êtes sans valeur. Vous êtes sans pitié. Vous voyez, la peau noire, depuis au temps de l'esclavage, nous vivons l'atrocité. Mais encore, le 21e siècle, vous affichez ça au peuple africain. Wallahi, Nama Dabla, la maltraitance que vous affichez à vos ressortissants, à vos peuples. Le Niger aussi veut rentrer dedans. Mais l'État va être en mer dans sa bouche. On vous dit la CDAO dit à bas les coups d'État. Et nous sommes avec la CDAO jusqu'à Las Caras. Si c'est Alassane Ouattara qui est devenu le demi-dieu de la CDAO, nous sommes avec Alassane Ouattara, notre président, jusqu'à Las Caras. Le guépard qui aujourd'hui, par sa vitesse, tout le monde est devenu ennemi numéro un de Alassane Ouattara. Et nous, j'en suis fier. Papa, si ce n'est pas ton travail, si c'est parce que tu es devenu le sous-préfet de la France, là, c'est à cause de ça que les gens te détestent. Là. Ton amour pour nous, là, même, là, c'est trop. Donc, si eux, ils ne t'aiment pas, là, nous, on t'adore parce qu'on adore que le bon Dieu. Que Dieu nous en excuse. Mais mon président, on t'aime, on te love, on te kiffe. Nous sommes prêts même à mourir pour toi. Parce que tu nous as rendu les choses, comme on dit, notre dignité là, aujourd'hui, là, notre fierté. Vous êtes notre fierté, Alassane Ouattara. Au moins ça, je me vois en lui. Je me vois en lui. Oui, on ne brûle pas mon village. Mes petits villages, mes petits campements sont en sécurité. C'est électrifié. Nous sommes fiers de sa politique. Nous sommes fiers. Les opposants ne sont pas poursuivis en Côte d'Ivoire. Oui. Les opposants fla-fla, ils parlent comme ils chient. Ils sont sécurisés. Oui. Les opposants même là qui jouffent, on fait un deuil national 10 jours. Mais lui, à son temps, là, ils sont allés déterrer le corps de sa mère, trimballer sur combien de mètres. Mais autour des autres, il fait 10 jours. Est-ce qui peut t'atteindre? Dieu t'a élevé. Ceux qui sont en train de faire Fatia, là, voilà, l'année décembre, Fatou Bécher, des fous, des gens qui se promènent. Les Bangala là se promènent au dehors, on dit Akamuka, Akamuka, Akamuka. C'est comme ça qu'ils vont voir les gens là-bas. N'importe quoi. Que Dieu protège l'Afrique. Dieu protège le continent africain. Dieu nous a déjà protégé, nous les Ivoiriens. Parce que là où la Côte d'Ivoire est aujourd'hui, il faut être sûr de toi pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Il faut être, je ne sais pas. Parce que moi, je sais que ce n'est pas dans la mosquée, ceux-là sont en train de prier. Il y a Boli Bonyoron, nous, là, oui. Parce que vous mélangez Satan avec Dieu. Donc, laissez le nom du prophète, laissez le nom du Coran. Aya Sitanabara, il a. Parce que Dieu ne peut pas encourager
tapette sur un être humain. Broum, 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 broum. On va maudire enfin de 9 mois de quelqu'un dans la toy, comme un toy. Vous allez maudire et puis ça va prendre. Famille, on va se laisser là. On a trop parlé. Merci à tout le monde. Que Dieu nous bénisse et puis partager. Hein. Partager et puis on se donne rendez-vous un autre temps. Bientôt, je serai en vacances. Je sais que je ne serai pas sur place, mais on va se donner des sons. Yao, bonsoir. Et puis, Massiani, Diarasuba, merci à vous aussi. Et puis, comme on dit, je me porte bien par la grâce de Dieu. Ma grâce, Adira Diallo, bonsoir à toi. Jean-Luc, Yoni, mais bonsoir aussi. Ceux-là, si tu veux parler avec leurs gros samaraba, là, les samaras même là, tu vois, c'est pas leur taille là. Eux aussi, ils veulent maudire quelqu'un qui parle avec les présidents, les présidents, les détenteurs du monde entier. Quelqu'un, il y a des gens même là. Ils savent même pas comment ils vont avoir fonio. Ils savent même pas, maintenant sont là même là, quand ils vont rentrer, ma femme va me demander combien là. C'est eux, ils vont se réunir comme un toy. Ils ont soif, ils ont faim, et ils vont maudire un président. Ado a déjà tout donné. 81 ans, il a tout donné. C'est la mort ne l'effraie pas. Parce que lui, déjà là, il est conscient que quand tu nais là, un jour tu vas mourir. Vous pensez que quand quelque chose va l'arriver là, nous on va dire, hé, c'est ça les Maliens. Allô les Malimaniens, à nous les Maliens. Nous là, notre foi est tellement énorme, tant que ton jour n'est pas arrivé là, tu n'iras pas. Yes. Nous sommes tellement purifiés dans notre âme que nous savons que quand ton jour arrive là, quand ça sonne là, Alini B, Dominique, Laïbe, Cuyère, Blanc, Pibi, Tatramaké. Parce que tu n'as pas signé un contrat avec Dieu pour dire tu vas rester éternellement ici. Voilà. Mais quand Doba parti là, Inch'Allah, Allah a sa chamandiama kotounou, ayeskikaya, barapan, et tonodoum. Quand Doba parti là, voici les merveilles. Vous avez vu Fouéboyen comme il a été célébré. Moroba, un grand homme là, il se démarque par son travail. Il se démarque par, comme on dit, sa compétence. La gazelle, le guépard. Quand vous voyez, est-ce qu'il discute avec quelqu'un? Dabarabaya, vous pensez que le pays l'ont construit avec Dabarabaya? Waouh, waouh, waouh! Lui, il est mon ennemi. Lui, il est contre nous. Lui, il est contre nous. Le temps que vous prenez pour Danga Alassane Ouattara, là, allez la signer, parce qu'il a fêté à Katoroma son homonyme pont, là. Il a célébré ça ce samedi, là. Samedi dernier, ça fait quelques jours, là. Là, il se repose. Et puis, il imagine encore, qu'est-ce qu'il doit verser quelque part pour faire mal au Malien? Qu'est-ce qu'il doit faire monter encore pour faire mal au Burkinabé? Qu'est-ce qu'il doit inventer encore pour faire mal à la sous-région? C'est le son-là qui me plaint, lui. Ça veut dire, pendant qu'ils sont dans leur bois, là, et on veut la Russie, et on veut ça, là, voilà, ça va être en train de réfléchir. Bon, qu'est-ce que je vais mettre encore? Bon, je vais mettre encore à Bungali. Là, ils vont vite voir même. Et puis encore, ils vont commencer à dire, sous-préfecture de la France, la France et la Côte d'Ivoire n'appartiennent pas aux Ivoiriens. C'est ce qui plaît à Alassane Ouattara. Quand il regarde les vidéos, et puis il entend, la Côte d'Ivoire est vendue. Les Ivoiriens même, c'est pas pour eux, la Côte d'Ivoire. Nous, on est fiers. Nous sommes fiers d'appartenir à la France que d'appartenir à la Russie. Parce qu'au moins, en France, là, on peut enlever le code sur la rue Princesse là, pour maudire les gens. Au moins, ça ici là, on va au resto du cœur, on nous donne poulet crevé quand on a faim. En Russie là, il n'y a pas ça. Vous êtes fâchés là, pourquoi on ne vous donne pas visa là, vous n'allez pas en Russie. Ceux qui sont versés dans les foyers ici là, pourquoi ils ne ramassent pas les barrages pour aller en Russie? Quand on est fâché là, quand on n'aime pas quelqu'un, on ne reste pas chez lui. N'importe quoi. Mais non, on va écouter un peu la musique pour se laisser. Merci à tout le monde. Que Dieu.
Mamadou Maïga, bonsoir encore. Merci à tout le monde, ceux qui sont restés là, à l'aide. Merci, c'est ta mère qui est une idiote. Un idiot connaît sa camarade idiote. Yere lombali, dangato, yere lombali, dangato, dangato, yere lombali, yere se orabe, yere tanganare tanu, kongo, lusara, yere lombali, ayo sarabara le bolo, yere lombali, yere lombali, Merci à tout ce groupe. Yodé, Siro, avec, je ne vois pas le nom du troisième. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Les Dangato, Yere Lombali, les Nyanfigi, les Nyangbo, les Tetedjougou là. On vous protège, que Dieu vous protège. Malgré vous, priez pour que Dieu nous maudisse. Nous, on va prier pour que Dieu vous bénisse. Parce que quand tu connais ton ennemi, donne-lui à manger. Quand tu connais quelqu'un qui veut te déstabiliser, protège-le pour que Dieu aussi te relève. Donne à celui qui n'a pas à manger pour que Dieu te garde en bonne santé, parce que l'ignorance et puis la sorcellerie qui rentre maintenant en Afrique de l'Ouest, nous, on ne va pas rentrer dans ce jeu politique. Nous, on dit la politique. Qui peut faire mieux? Qui peut nous protéger? Qui peut nous sécuriser? Qui peut nous donner plus de bonheur, plus de joie? La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les Ivoiriens, à la place de leur cœur, il n'y a que la joie. Il n'y a pas la haine, il n'y a pas place de la haine. On cherche, on dit l'année de la jeunesse. Donc, on attend, voir les merveilles pour la jeunesse et puis tout le monde dans les urnes. Parce que c'est la démocratie. N'écoutez pas les opposants qui veulent vous faire croire le contraire. C'est la voix des urnes. Nous n'allons pas mettre des fusils derrière les gens d'aller voter forcément à la Alassane Ouattara. Si tu es séduit par son travail, tu es séduit par son idéologie, tu es séduit par son respect pour la nation, pour la République, vas-y, voter ses candidats et tu verras qu'est-ce qui poussera dans ta commune, dans tes localités. Vraiment, nous avons des yeux, des oreilles, il faut qu'on fasse fonctionner tous nos sens pour donner de la valeur à tout notre environnement. Merci à tout le monde et puis soyez bénis. Que Dieu protège tous les Ivoiriens, tous mes followers, tous mes amis, tous mes suiveurs. Que Dieu nous protège. Bisous à vous et puis santé à tout le monde.